Merci pour nous inviter, bonsoir. Merci de nous recevoir. Bonne année, on peut encore se dire bonne année, là. Bonjour à vous tous. Merci d'être avec nous. Ça va, Ivan? Pour un grand classique de Ça se discute autour de l'amour, mais l'amour sous une forme un peu particulière. Aujourd'hui, mes invités le disent eux-mêmes, ils sont fous amoureux, au sens propre du terme. Pour eux, la passion a pris le pas sur la raison. Ils sont aujourd'hui séparés de la personne dont ils sont amoureux, mais ils n'arrivent pas à tirer un trait sur cette histoire qui les fait toujours vibrer. Et quand je dis vibrer, le mot est faible. C'est impossible pour eux d'imaginer de prendre un nouveau départ, d'imaginer une autre histoire d'amour. Impossible de laisser aussi l'autre s'envoler, de laisser l'autre avoir le droit d'aimer, d'être heureux ailleurs, dans d'autres bras. Quand l'amour devient véritablement une obsession, on ne peut rien faire que d'y penser. Quand les sentiments sont si forts et qu'on perd tout discernement, c'est important le discernement, eh bien les dommages sont parfois irréversibles. On va le voir aujourd'hui et personne n'est à l'abri d'une grande crise d'amour comme celle-ci qui peuvent conduire au pire. Je vous demande d'accueillir chaleureusement nos invités qui viennent partager avec nous leur histoire. Marie, où êtes-vous Marie? Vous êtes là, Marie. Je t'aime un peu beaucoup passionnément la folie, c'est comme ça qu'on dit avec les marguerites, hein, ou les pâquerettes, quand on a des petits doigts. Ça vous inspire quoi, aimer la folie? Bah, ça me parle, puisque l'amour m'a rendue complètement folle. J'ai commis des actes que je ne pensais pas pouvoir commettre. J'étais plus moi-même, obsédée complètement nuit et jour par l'autre. C'est... Ouais. C'est dur, quoi. Vous avez été jusqu'où dans la folie, pour... Jusqu'à brûler sa voiture, le menacer de mort. Il n'était pas dans la voiture. Non, heureusement. Non, heureusement. Léo est notre invité également. Je demande d'accueillir Léo, qui est le plus jeune du plateau, qui a tout juste 20 ans. Vous pensiez avoir trouvé déjà à seulement 20 ans la personne de votre vie, mais cette personne a mis fin à votre histoire il y a maintenant un peu plus d'un an. Vous avez 19 ans, vous êtes un tout jeune homme. À la suite de cette rupture, qu'est-ce que vous avez fait de plus fou par amour? Moi, j'ai tenté de mettre fin à ma vie plus d'une vingtaine de fois. Ce sont des appels au secours ou des véritables tentatives de suicide? Il y a eu des deux. Il y a eu des appels au secours et des jours où j'avais vraiment envie de mourir. Tellement c'était dur, tellement c'était impossible à imaginer. Il s'agit de l'amour pour un homme. Il y a eu des appels au secours. Les psys nous disent que les appels au secours, c'est vraiment pas toujours des appels au secours et que le suicide, parfois, quelques minutes près, ça peut devenir très concret. Léo, à côté de vous, il y a Emmanuel qui est notre invité. Et l'histoire de... L'histoire de ce jeune homme, celle que Marie a racontée également, doit avoir un écho particulier en vous. Oui. Racontez-nous votre histoire. J'ai mon ancien petit ami qui s'est suicidé au téléphone avec moi. Enfin, il s'est suicidé. Il s'est jeté sous un train, il était au téléphone avec moi. C'était il y a combien de temps? Il y a un an, quasiment jour pour jour. Vous êtes séparés depuis combien de temps? Ça faisait 4 mois. C'était une très grande histoire d'amour que vous aviez connue tous les deux? Ça avait duré un an et demi, mais... Oui, on s'aimait. Mais il y avait beaucoup de bas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait décidé de se séparer. Vous aviez conjointement décidé? Oui. De... Ouais. Et puis quand j'ai refait ma vie, il n'a pas supporté. Virginie est aussi notre invitée. Votre ex-compagnon Virginie n'arrive pas lui non plus à passer autre chose après la fin de votre histoire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ça fait un an et demi que je reçois des coups de téléphone, des textos, des mails, des visites surprises, des paquets, des cadeaux. C'est moi. A priori, dit comme ça, ça a l'air d'être des bonnes nouvelles. Des SMS, des mails, des cadeaux, des paquets, des visites surprises, ça commence à être un peu plus bizarre. Oui. Mais même ce harcèlement, ça... C'est épuisant. Ça fait un an et demi que l'histoire était, à mon sens, terminée d'un commun accord, puisque j'étais partie au soleil et qu'il pensait me rejoindre. Après, il n'avait plus envie. Enfin, l'histoire ne menait plus à rien. Donc, j'ai décidé de rompre pour refaire ma vie. Et il n'a pas supporté. Et depuis un an et demi, il me harcèle. Oui. Nos autres invités à qui nous avons consacré un reportage, je vous demande d'accueillir Alexandre et Ivan. Ivan, vous m'avez fait vraiment beaucoup de peine en préparant cette émission. Quand j'ai vu le reportage, je me suis dit, mais vous êtes vraiment habité, quoi. Elle date de quand, cette séparation? 3 ans, ça fera 3 ans, le 14 février. Le 14 février?
Mais pourquoi on choisit des dates comme ça? Je ne sais pas. Tu penses séparer? Je ne sais pas, je pense que c'est le hasard. Enfin, je sais pas. Bon, vous étiez avec cet homme depuis combien de temps? 19 ans. Qu'est-ce qui vous a... Pardon? 19 ans. Vous avez quel âge? 37. J'avais donc 15 depuis ans. Depuis toujours, quasiment? Depuis, oui, c'est bon. Vous l'avez vu arriver? Ah, pas du tout, du jour au lendemain. Ça pas allait, du tout. Ça allait bien, d'après vous? Ah, ben, d'après moi, ouais, c'était... On était coup passionnel. S'aimait très fort, même au bout de 19 ans. J'ai rien vu arriver. Je comprends toujours pas à l'heure actuelle. Il n'arrive même pas à me l'expliquer, lui non plus. Et depuis, à quoi ressemble votre vie, alors? Moi, j'ai vu des images. L'enfer. Où... C'est l'enfer. Je me bats pour essayer de vivre. Voilà. Mais voilà. Des hauts et des bas. Et j'ai un caractère fort, donc je me bats pour tenir. Mais malgré tout, je peux pas. J'arrive pas. Ça n'avait pas passé autre chose? Non. Il est passé autre chose, lui, à quelqu'un d'autre? Oui. Il est avec quelqu'un depuis le 26 février. Il est parti le 14, depuis le 26 février, il y a 3 ans. Il est toujours avec cette obsession des dates que vous avez comme ça? Parce que ma vie, elle s'est arrêtée là. Pourquoi vous êtes venu à l'émission? Pour essayer de tourner la page? Ouais, je veux tourner la page. Ou pour essayer de le raccrocher? Ou pour essayer de le raccrocher? Ou pour essayer de le raccrocher, lui? Non, pour tourner la page. Dites la vérité. Je sais pas, en fait. Ah. Je sais pas. On vient de la démarrer. Soit je la tourne, non, je sais pas encore. On va voir comment ça se passe. Il se passe parfois des choses en écoutant les histoires des autres, tout simplement. Ouais. Ouais. Pourquoi vous êtes venu à l'émission, vous? Moi, c'est mon collègue qui m'a poussé à venir. Qui vous a forcé? Qui m'a... Ouais, un fouet, on peut dire les choses. Il est où, le collègue? Le collègue habillé en violet, la couleur qui protège. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Jonathan? Bah, il m'a dit que je pouvais plus rester comme ça, que je devais... Allez-y quand vous voulez, on n'est pas en classe. Hein. Non, mais je veux dire, vous avez déjà vu ça se discute? Comment? Vous avez déjà vu l'émission? Ouais, j'ai déjà vu. Allez-y, plein pot. Alors, ah, comme ça? Ok. Non, mais je veux dire, il était dans un état, il pleurait souvent, et puis on est collègues de travail, donc... bon, là, ça fait un an, ça fait un peu plus de... Un an? Ça fait un an qu'ils sont plus ensemble et... Pourtant, c'est beau un homme qui pleure, non? Ouais, je trouve que c'est beau, ouais. Qu'il n'y a pas de honte à pleurer pour quelqu'un. Non, c'est vous qui vivez. Il se passe quelque chose à l'intérieur, quoi. Vous vibrez. Oui, voilà. Je veux dire, ça ne sert à rien de se cacher quand on... Ben, voilà, quoi. Jonathan pense qu'il faut que vous sortiez de là, en tout cas, et que vous tourniez la page. Il y a un moment pour faire son deuil et puis il y a un moment pour reconstruire. Vous avez quel âge? 27 ans. 27 ans, pour y en avoir 19, 37, 47 ou 87, il n'y a pas d'âge. Je pourrais bien regarder un extrait des reportages qu'on a consacré donc à nos deux invités. Ivan et Alexandre, tous les deux aiment jusqu'à s'en rendre fous. Depuis que le mari d'Ivan l'a quitté il y a 3 ans, la passion a viré à l'obsession. Je suis obsédée par lui, il en met pensée et... Il est trop présent, en fait. J'aimerais qu'il s'en aille, là. Voilà. Va-t'en. S'il te plaît, va-t'en. Laisse-moi vivre. La petite amie d'Alexandre est partie pour un autre il y a un an. Il n'arrive toujours pas à l'accepter. J'imagine qu'elle est avec son copain, en train de l'embrasser, en train de l'enlacer, en train de la caresser. Ses mains sur sa peau. Je peux réussir. Vraiment à dormir qu'une fois que je sais qu'ils ont fini de faire l'amour et qu'ils dorment. Où qu'ils aillent, quoi qu'ils fassent, leur ancien amour reste omniprésent. C'est vrai que ce soir, voilà, il y a plein de mecs sympas, mignons, mais personne ne lui arrive à la cheville. C'est lui que j'aimerais voir en face de moi, c'est avec lui que j'aimerais danser, c'est avec lui que j'aimerais boire un verre, c'est lui que j'aurais envie d'embrasser. Mais Jérôme, mais attends, mais ça fait un an là, ça fait un an que t'es plus avec, alors arrête, c'est bon, t'as oublié. Vous vous appelez, vous êtes amis, point. Elle t'aime plus, c'est de l'amitié, Jérôme. Oui, mais bon, moi je l'aime, c'est comme ça. Arriveront-ils à tourner la page? Pourront-ils sortir de leur obsession? Nous les avons suivis pendant plusieurs jours pour tenter de mieux les comprendre. Oui. C'est une romancière qui va conclure et intervenir pendant cette émission. Alors, vous êtes tellement belle, Christine, on dirait un personnage de roman ou de cinéma. Je suis content de vous retrouver à nouveau dans Ça se discute. Vous venez de publier un bouquin qui s'appelle N'oublie pas d'être heureuse. Ouais, N'oublie pas d'être heureuse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça vous inspire quoi, ce thème?
J'ai l'impression déjà, en les écoutant un tout petit peu, qu'il y a du harcèlement de soi-même dans ces chagrins d'amour. J'ai l'impression, là, cette jeune femme qui raconte qu'elle a l'impression que... Alors c'est Ivan, c'est un prénom qui n'est pas commun. Ouais. Qu'il est en elle, mais c'est peut-être elle qui se harcèle un petit peu. Ouais. Enfin, vous avez déjà connu ça, vous, d'être harcelée par vous-même, Christine? Oui. Vous avez souffert par amour, Christine? Oui. Oh. Vous intervenez quand vous le souhaitez, si vous avez des questions. Vraiment, non, mais vous vraiment, surtout, n'hésitez pas à nous aider pour essayer de percer les mystères du cœur humain. Ça va, mademoiselle? Ouais. Marie, on va revenir à votre histoire avec cet homme que vous aimiez éperdument, plus que vous n'aviez jamais aimé. C'était mon premier amour. Je l'ai rencontré à 16 ans. J'ai connu que lui, j'avais connu que lui à l'époque. C'était une histoire passionnément... Destructrice. Destructrice. Il y avait des hauts très hauts et des bas très bas. C'est-à-dire C'était la passion, c'était... Quand c'était haut, on vivait des choses vraiment formidables. Tout était beau, merveilleux. Et les bas, alors, dont vous parliez? Les bas, c'est quand j'ai décidé de rompre, parce que c'était destructeur, quoi. Vous avez... D'abord, vous avez pris le sentiment, eu le sentiment que vous aviez eu tort en le quittant, au bout de combien de temps? J'ai vraiment réalisé quand, en fait, il a rencontré son ami. Quoi. Donc, quelques mois après la rupture, on a rompu au mois de juillet, il l'a rencontré au mois d'octobre-novembre. Qu'est-ce que vous avez réalisé à ce moment-là? Bah, que c'était fini, que je l'avais vraiment perdu. C'est moi qui l'ai quitté et malgré tout, là, j'ai réalisé que... Comment vous avez réagi à cette... Cette rupture de plus, parce qu'il y en avait eu déjà quelques-unes. Il y en avait eu, mais en fait, je le rappelais, puis il revenait. Mais entre-temps, il n'avait pas eu de petites amies. C'est la première fois qu'il retrouvait quelqu'un. Et ben là, j'ai très mal réagi. J'ai fait des tentatives de suicide, des comas éthyliques. J'étais hospitalisée plusieurs fois. Oui. C'était insupportable à ce point? Ah oui, oui. De le voir avec quelqu'un, tout d'un coup? Ben, comme le disait Alexandre... J'imaginais en fait mon ex en train de faire l'amour avec sa nouvelle compagne, enfin des choses comme ça. Quoi. C'est insoutenable. Vous imaginez ça, vous aussi? Non, je ne peux même pas imaginer, moi. Non. Pour moi, elle n'existe pas. Enfin. Ouais, c'est lui. Ouais, ouais, l'autre, elle n'existe pas, je m'en fous. Ah non, moi, c'était plus par rapport à elle, quoi. C'est Renaud qui chantait, je crois qu'on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va, quoi. C'est donc au moment où vous l'avez vu avec quelqu'un d'autre, vous avez essayé d'aller lui parler de... Ah, mais je faisais que de l'appeler, je passais devant chez lui, j'allais le retrouver même des fois au bistrot. Ouais. Il a même changé de téléphone, je crois, mais j'ai réussi à avoir le numéro, j'ai appelé ses amis, sa belle famille, enfin... Ça a duré combien de temps, ce harcèlement? Harcèlement, oui, on peut dire combien ça. Combien de temps? Ça a duré plusieurs mois, en tout cas. Vous avez rencontré des hommes pendant cette période? Beaucoup. Beaucoup? Oui. Bah, je m'alcoolisais, je sortais, et puis... c'était vraiment l'anarchie, quoi. Anarchie, vous dites? Ouais. C'est quoi, pour essayer d'oublier? Bah, essayer d'avoir de l'affection. Ouais. Mais bon, c'est un joli geste. Ouais. Ouais. Mais c'était pas lui, quoi. Ah non. Donc ça marchait pas. Vous avez fini par une hospitalisation en psychiatrie. Ça va loin, hein. Alors que c'est vous qui l'aviez quitté, et c'est à ce moment-là que vous avez, donc, vous le disiez tout à l'heure, incendié la voiture de votre ex. En fait, donc j'étais hospitalisée à ce moment-là. J'avais encore les clés de ma voiture dans mon sac à main. Ça ne m'avait pas été pris par l'équipe médicale. Ouais. Et cet après-midi-là, j'avais eu une permission. Je suis sortie là où il habite. Je l'ai vu. Il n'est pas venu me dire bonjour. Et en moi, ça a créé vraiment... une bombe, quoi. Je suis retournée à l'hôpital et puis de fil en aiguille, je m'excitais, je voulais lui parler au téléphone, il ne voulait pas répondre. Et puis d'un seul coup, je ne sais pas, j'ai eu un déclic, j'ai été prendre les clés de ma voiture, je suis partie là où il habite. Et là, j'ai cassé la vitre du véhicule et donc j'ai pu pénétrer dedans. Et à ce moment-là, j'ai vu la photo de son ami dans la voiture. Et alors là, j'ai pété un plomb, comme on dit, quoi. J'ai pas du tout... Le fait de l'avoir, ça a vraiment créé quelque chose en moi. Et donc vous avez brûlé pour faire disparaître les choses, à votre avis? Pourquoi vous avez mis le feu? Je pense.
pense. Puis pour faire du mal, quoi. Sans lui faire du mal à lui, véritablement, quoi. Voilà. Je voulais le toucher. Le faire réagir, parce qu'il m'a réagi. Ouais. C'est assez bizarre de mettre le feu à une voiture. Enfin, ça arrive dans d'autres circonstances habituellement qui n'ont rien à voir avec les sentiments amoureux. Vous êtes devenu donc un peu hors la loi quand même, hein, par amour pour cet homme. Vous avez été jugé pour ce qui est quand même un délit, tous ceux qui ont connu cette mésaventure, qui est jugé assez grave par les tribunaux. Oui, j'ai eu 5 ans de prison avec 2 ans de sursis. Je vous demande pardon ? 5 ans de prison avec 2 ans de sursis. Vous avez eu 5 ans de prison avec 3 ans de prison ferme ? Non, c'est-à-dire que si pendant 2 ans, je venais à refaire un acte aussi grave... D'accord. Ou même le harceler, je pense. J'avais 5 ans de prison ferme. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'à l'époque, il avait porté plainte contre moi pour harcèlement, ainsi que ses amis, puisque j'ai pas non seulement brûlé une voiture, mais 3, puisqu'elle a explosé pendant ce temps-là. Qu'est-ce que vous aviez en tête ? Vous étiez soulagée ? Je peux même pas vous dire parce qu'il y a eu... J'ai zappé complètement. Vous étiez ailleurs ? J'étais ailleurs, oui. C'était pas moi. Moi, je suis incapable de faire ça, là. Ivan, vous réagissez comment ? C'était pas moi. Il y a des moments où vous avez l'impression que la raison vous échappe. J'aurais eu des fois envie de faire, peut-être pas brûler sa voiture, mais quoique, c'est une bonne idée, après tout. Non. Est-ce que c'est une bonne idée ? Pas du tout. Non, mais... Est-ce que c'est une bonne idée ? Non. Ça vous a soulagé ? Ça vous a apporté quelque chose ? Non, ça m'a détruit, après, par la suite. Plus qu'autre chose. Non, j'ai juste fait, moi j'ai rayé, il est venu une fois à la maison avec la voiture de sa copine. Je lui ai dit, attends, bouge pas. Il est venu chez vous avec sa copine ? Non, avec sa voiture de sa copine. Et j'écoutais beaucoup d'Iams à l'époque, donc j'ai pris mes clés, j'ai fait le tour. Il m'a laissé faire, il m'a dit, vas-y, ça va te faire du bien, il m'a laissé faire. Voilà, c'est le seul truc que j'ai fait. C'était parce que c'était la voiture de sa copine ? Ah ça, je ne sais pas. Ou c'est parce que vous aviez connu et partagé tellement de choses dans le passé que... Je pense qu'il est... Enfin, il a toujours... Il n'a pas plus de sentiments pour moi. J'en sais rien, en fait. Mais... Vous en savez rien ? Il me dit qu'il ne pourrait plus jamais avoir la même vie qu'avec moi, que personne ne m'arrive à la cheville non plus, que... Il continue à vous dire ça après la séparation ? Mais il m'a dit ça, ouais. Il m'a même dit, laisse-moi vivre ma vie dans 2-3 ans, enfin 2-3 ans, 5-6 ans maintenant, on se remettra ensemble. Il l'a dit souvent, ça, ou vous l'avez entendu une fois Je l'ai entendu au moins 2 fois. Le problème, c'est qu'on retient les choses comme ça. Je pense que, voilà, moi, je l'aime encore beaucoup. Vous êtes pleine de surprises. Je l'aime encore beaucoup. Ouais, parce que j'ai du mal à dire je l'aime, quand même, parce que... Je l'aime et je le hais, quoi. Oui, mais ça, c'est très proche, vous pensez pas ? Ouais, si. Ça reste des sentiments très forts, quoi. Ça reste, mais je pense qu'il en a aussi pour moi. On est très loin de l'indifférence, moi. Quoi. Sauf que... Enfin... Ça m'embête de dire ça, parce que j'en sais rien. Quoi. Ouais. S'il regarde, il va dire, non, j'en ai pas du tout pour toi. Revenons aux jours heureux, parce qu'ils ont été nombreux, c'était, les jours heureux. 19 ans, génial. Voilà. On a eu des disputes, hein, comme tout le monde, on n'était pas non plus, mais on était hyper complices, on avait la même passion, on faisait du karting. Il faisait ma mécanique, je faisais la sienne. Pendant 19 ans, on a été... Il n'y a jamais eu de baisse, comme on peut imaginer, les couples. Ah, et pas des... J'étais sa femme, sa maîtresse, son meilleur pote, sa copine, j'étais tout. Qu'est-ce que vous vouliez vous faire tatouer sur la peau ? Une semaine avant qu'il s'en aille, on a été voir un tatoueur, on allait se faire marquer notre prénom respectif. On a été se renseigner, je sais pas, il est parti le 14, on a dû se renseigner le 10 ou je sais plus... quelques jours avant, et il y avait plein de monde chez le tatoueur, donc on s'est dit on repassera, et voilà, il est parti. On regarde ce reportage qui concerne l'histoire d'Ivan qui est... Vous pleurez beaucoup comme ça ? Ouais. Bah ouais, mes yeux se sont creusés, là, en 3 ans. Bah c'est joli, ça, c'est pas grave. Regardez ce reportage. Depuis donc cette rupture, c'était il y a 3-4 ans ? 3 ans, ouais. 2 ans que vous êtes maintenant... en procédure de divorce et vous êtes inconsolable, même si vous tentez de vous consoler parfois, avec une vie qui ne tourne qu'autour de cette histoire passée. Il est toujours là, dégage, comme vous le dites, et des souvenirs, vous en gardez. Vous êtes confié à Hélène Petiot et à Frédéric Rio qui ont réalisé ce reportage. Je t'aime d'amour, mon amour, je te vois toujours jolie, et je crève du jour. Cette chanson-là, c'était notre chanson.
c'était la chanson pour... quand vraiment on avait envie de se dire qu'on s'aimait vraiment très fort, on la mettait, on se regardait. Déjà 3 ans que le mari d'Ivan l'a quittée, 3 ans qu'elle pleure tous les jours, 3 ans qu'elle reste enfermée à ressasser les souvenirs de cette relation. Il me reste que ça. Mon mec, il est là. Timo, je t'aime. Non, mon amour, je t'aime. T'es la femme de ma vie. Bah ouais, bah ta vie, elle est finie. Je pourrais jamais l'oublier. Ivan vit toujours dans la maison qu'elle partageait avec son mari. 3 ans après son départ, elle reste incapable de dormir dans leur ancienne chambre. Donc voilà notre ancien lit. Je serais perdue là-dedans toute seule. Je peux plus dormir dans ce lit parce que déjà trop de souvenirs. Trop de souvenirs. Je sais pas, je. Ah là, je me sens mal. J'y arrive pas, quoi. Je me sens mal ici. J'ai envie de sortir là. Si je pouvais, je suis partie en courant. Son ex-mari a refait sa vie. Il habite avec sa nouvelle femme à seulement quelques kilomètres. Quand elle passe devant leur maison, elle ne résiste pas à la tentation de s'arrêter. Je suis obligée de venir ici pratiquement tous les jours. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'ils sont hyper heureux. En fait, cette maison, c'est un peu tout ce que j'ai perdu. Le bonheur. Et moi, je fais que passer devant. C'est plus à moi. Ah, je me rends compte là qu'il est vraiment à la terre de moi. Je suis obsédée par lui. Il est dans mes pensées. Il est trop présent en fait. J'aimerais qu'il s'en aille là. Voilà. Va-t'en, s'il te plaît, va-t'en. Laisse-moi vivre. Rien ne semble pouvoir apaiser Ivan. L'image de son ex-mari et de leur amour perdu ne la quitte jamais. Son amie Virginie s'inquiète pour elle. Salut. Ça va? Moyennement. Maintenant, il faut que tu avances, quoi. Faut que tu arrêtes, quoi. C'est pas mon idée. Que c'est pas possible, que tu peux pas être heureuse. Pas possible que je l'oublie. Mais non, tu l'oublieras pas. Attends, mais toi, tu n'arrives pas à comprendre à quel point on était ensemble. Si, je peux comprendre. Ça m'étonnerait. Mais en même temps, t'as plus le choix, c'est ça que je veux te dire. C'est que ouais, t'as plus le choix. On te donne pas le choix. Il faut juste que tu veuilles bien trouver la solution. Mais tu veux pas. Mais enfin, moi, ma vie sans lui, je vois pas l'intérêt de la vivre, quoi. Depuis qu'elle est seule, Ivan passe tous ses week-ends en boîte de nuit. Ouais. Salut Maxou. Là, elle change de personnalité. Ses sorties sont devenues une drogue. J'ai l'impression que voilà, mes sorties, c'est mon médicament, c'est mon psy. C'est devenu carrément indispensable. Bonsoir. Bonsoir. Ah, trop facile. Quel est votre nom? Ivan, et toi? Cyril, enchanté. C'est plaisir de te rencontrer. Mais moi aussi. De l'alcool, des conquêtes d'un soir, elle essaie désespérément d'oublier son ex. C'est vrai que ce soir, voilà, il y a plein de mecs sympas, mignons. Franchement, je craquerais, mais c'est du futile, c'est de la paillette. Demain, ça sera pareil, après-demain, ça sera pareil. Et moi, j'ai tellement mon ex dans la tête que personne ne lui arrive à la cheville, quoi. Je peux pendant 5 minutes danser avec quelqu'un, lui faire croire que... Mais c'est lui que j'ai en tête, c'est lui que j'aimerais voir en face de moi, c'est avec lui que j'aimerais danser, c'est avec lui que j'aimerais boire un verre, c'est lui que j'aurais envie d'embrasser. Cette nuit, Ivan est rentré seul. Comme tous les soirs depuis 3 ans, elle évite l'ancienne chambre conjugale et dort dans le canapé du salon. Je suis incapable de dormir dans un grand lit toute seule, sans lui.
Et là, je sais pourquoi, en fait. Parce que dans un grand lit, bah, c'est, voilà, moi je dormais là et lui il était là. De l'autre côté, il y avait toute la place. Il était tout le temps collé, trop collé contre moi en fait. Et là, j'ai besoin de me sentir collée. De toute façon, depuis qu'il est parti, j'ai plus une vie normale. Je dors pas dans un lit, je dors pas dans une chambre, je me déshabille pas pour dormir. Je mange quand j'ai faim, parce qu'il faut manger aussi. Au bout d'un moment, bah, t'as faim. Moi, ma vie, elle a complètement changé. Et j'aurais plus jamais la même. J'aurais plus jamais une vie normale. C'est ça, voilà. Ma vie, c'est ça. Votre vie, c'est quoi, exactement? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous passez par des... Ouais, des hauts et des bas. Je travaille, j'ai... Je suis très sérieux, j'ai une entreprise, je travaille. Ouais, vous dirigez une entreprise, enfants, vous avez deux ados. Voilà, et donc je me bats pour tenir le coup parce que j'ai aussi de la colère. Je veux m'en sortir, je veux lui montrer que sans lui, je peux y arriver. Que vous voulez lui montrer ou vous montrer à vous? Bonne question. Ce qu'on appelle une bonne question, généralement, c'est quand on n'a pas la réponse. J'en sais rien. Posez-vous la question parce que... C'est à vous qu'il faut vous montrer, je pense. Enfin, on va voir avec les spécialistes. Enfin, je dis ça, je sais pas. Mais j'aimerais bien qu'il ait mal autant que moi, s'il voyait. Enfin, si moi, j'allais bien. En fait, j'allais bien pour ça. Faut qu'il souffre. Ouais, voilà. Ça vous ferait plaisir, ça? Bah, ouais, ça me ferait plaisir, ouais. Parce que pendant 3 ans, c'est moi qui rame. Le fait qu'il souffre, ça vous enlèverait votre souffrance, ces 3 ans? Non, ça m'enlèverait pas, mais ça me... Je sais pas, au moins on sera encore pareil, 50-50. Vous avez acquiescé? Oui, je comprends tout à fait ce qu'elle ressent. Moi, j'ai vécu la même chose. Vous voulez Quand je la vois dans le reportage, je me vois il y a 7 ans, quoi. Dans quel moment? Tous les moments, quand elle va vers son habitation pour essayer de les observer, quand elle utilise l'alcool pour un petit peu s'évader... qu'elle essaye d'avoir des relations avec d'autres hommes. Ne pas dormir dans un lit aussi. Je dormais pareil dans le canapé. Je pense qu'on a besoin d'être cocoonés, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Vous comprenez, Léo, vous? Totalement. Non, mais c'est un tout jeune homme de 20 ans, mais quand on est sensible à 20 ans, c'est déjà... Rimbaud avait tout écrit à l'âge de 17 ans. Hein. Ouais. À 20 ans, on n'était pas mariés, mais on avait déjà nos deux enfants. Enfin, quand j'avais 20 ans... Donc, ouais, à 20 ans, très tôt, vous avez eu envie de tout faire, quoi. Ouais. De montrer non, que mais c'était... Quand c'était lui, point barre. Vous n'avez jamais regardé un autre homme? Vous n'avez jamais pensé? Jamais, non. Et pourtant, il était jaloux et il me disait, arrête de me mater. Et je ne les voyais pas. S'il me verrait maintenant, mais c'est clair que là, je mate tout le monde. Là. Je peux vous dire qu'il y a, un mec derrière, là-bas, qui est pas mal. J'ai vu. Il est comment? Là, il n'est pas là, mais... Comment vous le décrire? Ben, brun, grand brun, c'est peut-être celui qui est derrière la cam, je vois pas trop. Entrez, jeune homme. Non, mais c'est bien. Avant, c'est bien. Je regardais pas du tout, mais. Non, mais ça, c'est bien, parce que ce ne sont pas c'est pas pour vous faire du mal, ça, en fait. Ça. Non. Je cherche, je regarde. Ouais. J'ai plein de conquêtes, j'ai plein de possibilités, on va voir, on va dire. Il y a un photographe, c'est pas lui? C'est pas la peine de partir, je vais pas venir. Hein. Oh, bah, écoutez, c'est peut-être une bonne nouvelle pour lui, il est timide pour l'instant, c'est tout. Mais je sais pas si c'est lui. Non, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas lui? Eh si, c'est lui. C'est lui? C'est lui? Vous pouvez me montrer votre main gauche, monsieur le cadreur? J'ai pas le plaisir de vous connaître, on travaille pas souvent ensemble. Pas marié, en tout cas. Bonsoir. Vous appelez comment? Non, il faut se détendre un petit peu, quoi. Voilà, c'est Nicolas. J'ai plein de possibilités, on va dire. Vous aimeriez retomber amoureuse? J'ai plein de garçons qui sont tombés amoureux de moi depuis. Et vous? Moi, non, je peux pas. J'essaye. Un attachement? Si, j'ai de l'attachement. Il y en a que je vais... parce qu'ils sont gentils avec moi. Parce que, mais j'ai pas envie de les voir. Si j'arrive à sortir avec quelqu'un plus de 2 mois, le pot, s'il veut me voir, bah, tu viens en boîte avec moi. Sinon, on se voit pas la semaine, j'ai pas le temps. Et on se voit pas ailleurs. Vous n'avez pas envie de partager des choses avec lui que vous avez connu avec... Imaginez quelqu'un avec chez moi. Bon, à boire un café, si. Mais à manger chez moi, à faire le repas, c'est inimaginable. Léo, à 19 ans. Ouais, aujourd'hui, mais à l'époque, 19 ans, quand il vous a quitté.
20 tentatives de suicide, c'est... Mais qu'est-ce qui... C'est... Dans quel moment ça vous prend, ces choses-là? Il n'y a pas de moment, c'est... Ça peut être n'importe quand, c'est quand on pense à lui, c'est... Enfin, quand je pensais à lui, j'avais envie soit de l'appeler, soit de lui dire, mais reviens avec moi, je vais pas bien, reviens. Donc c'était un appel à l'aide. Enfin, je me suis même fait passer pour mort, pour qu'il s'inquiète pour moi. J'étais pas mort, mais... Ça est arrivé jusque-là, mais avant cela, vous avez essayé d'autres choses. Au début, je l'appelais tout le temps. Quand j'ai su qu'on n'était plus ensemble, je l'appelais tout le temps, une dizaine de fois par jour, si ce n'est pas plus. Parce que je voulais juste entendre sa voix. Je voulais qu'il me dise allô, et moi, je me sentais mieux. Vous alliez à sa rencontre ? Pardon ? Chez lui ? Devant chez lui ? Ça m'est arrivé d'aller devant chez lui, d'attendre. Pas souvent parce que j'ai pas de voiture, mais sur son lieu de travail. Je suis resté des fois plus de 4 heures à attendre devant son lieu de travail pour l'apercevoir. Un jeune homme de votre âge? Oui. C'est une rupture qui date d'il y a environ un an. Vous êtes passé aussi par une phase où vous vouliez vous venger? Oui. Il y a... Quel genre de vengeance? Au tout début de notre rupture... Venger? Oui. Et son père n'était pas au courant que mon ex était gay, donc je me suis dit, puisque tu me fais ça, je vais prévenir ton père. Ça, quoi? C'est la classe américaine. Ouais. Donc je ne l'ai pas appelé parce que j'étais trop lâche pour le faire. J'ai envoyé un message comme on peut faire sur les fixes en disant voilà, votre fils est homo. Ah, bravo de l'assumer en tout cas. De toute façon, je l'ai fait, j'ai pas le choix. Ah si, j'ai des gens qui ne le reconnaîtraient pas. Non, non. Vous le referiez? Non, bien sûr. Ah voilà, non mais ça c'est bien. Se venger, oui. Vouloir faire souffrir en tout cas autant qu'on a souffert, quoi. C'est ça. Menacer de vous suicider? Oui. De nombreuses reprises, oui. Il y a une fois notamment où j'étais sur la région parisienne et je lui ai dit, écoute, je suis au téléphone, si tu me dis maintenant que tu me quittes, je me balance sous le métro. Donc il était au téléphone. Quand j'y repense maintenant, je me dis, je suis un monstre, parce que pour lui, c'est vraiment pas une situation évidente. Et donc il a eu la sagesse de dire, écoute, on va en reparler. Et vous étiez à proximité du métro? J'étais sur le bord du métro, moi. J'attendais sa réponse. Je l'aurais fait. Je pense que je l'aurais fait, oui. Donc il m'a dit, écoute, on va en reparler ce soir, j'attends que tu te calmes, donc le temps est passé. Puis il m'a dit qu'il me quittait, j'étais plus au bord d'un métro. Mais... Ça vous intéresse de savoir ce qui s'est passé dans la tête de Léo, hein? Oui. Vous avez des questions à lui poser? Non, enfin, ce que j'entends, ça répond déjà à certaines questions que je me posais. Lesquelles? Mais comment mon ancien... Ce que mon ancien petit ami a pu penser à ce moment-là, quand moi, il m'a appelé avant de se jeter sous le train, j'ai pas eu là... Enfin, déjà, j'étais à 900 bornes, donc j'aurais pas pu lui dire, oui, viens, on va en parler. Mais moi, je voulais pas céder à son chantage. J'ai pas cédé. Qu'est-ce qu'il vous a dit au téléphone? Reviens, reviens, reviens. C'était pas la première fois? Non. C'était... Les dernières minutes qu'il a avant de mourir, c'est ce qu'il disait. Et même avant, dans l'après-midi, quand on s'était eu au téléphone, il me disait, écoute, je vais me pendre si tu reviens pas avec moi. Et je lui ai dit que ton chantage affectif ne va pas marcher. C'est pas une raison, c'est pas de bonnes raisons pour revenir avec toi. Faut que c'est l'amour qui doit nous faire être ensemble, pas du chantage. On ne sera pas heureux ni l'un ni l'autre. Et je ne pensais pas qu'il le ferait. Qu'est-ce que vous connaissiez de cet homme? Vous l'écririez comment? Avant qu'il commette ce geste. Joyeux, toujours prêt à aller vers les autres. Et quand, dès que je l'ai quitté, qu'il a réagi comme ça, j'ai pas compris. Je me suis dit, c'est pas lui que j'ai connu, c'est quelqu'un d'autre. Ça vous obsède? Oh, j'y pense tous les jours. C'était il y a combien de temps? Il y a un an. C'est encore assez jeune, hein, je veux dire... Et je pense à lui tous les jours. Il n'y a pas une seule journée où je pense. Comment s'est faite la séparation? Au bout d'un an de relation, c'est des cycles d'un an. Là. C'est, au bout d'un... Un an et demi, oui. Un an et demi, d'accord. Comme la séparation, d'un vous disiez d'un commun accord. Oui. Ça ne va plus, au revoir, au revoir, ça. Oui, voilà, on n'avait fait que ça, casser, reprendre. Donc au bout d'un moment, on a dit stop. Il a voulu que je prenne mon appart. Et j'essayais quand même de le récupérer. Lui? Lui. Et du jour où j'ai vu que mes efforts servaient à rien, j'ai dit c'est bon, maintenant je passe à autre chose. Et ça a été très radical. Le soir même, j'ai rencontré mon compagnon actuel. Et forcément, il n'a pas compris que j'aille aussi vite. Et là-dessus, je m'en veux. Je m'en veux énormément de ne pas avoir pris le temps pour que lui comprenne. Mais je ne pensais pas du tout qu'il allait réagir comme ça, quoi. Moi, malheureusement, c'est comme ça que je fonctionne.
C'est tout l'un ou tout l'autre, et très rapidement. Et là, lui, il n'a pas eu le temps de suivre, il n'a pas compris. Et quand il m'a vu avec, avec mon ami, c'était fini. Quoi. Combien de temps après, cette journée terrible est arrivée ? 4 mois après. Ça faisait 5 mois qu'on était... Jusque-là, il y avait eu des chantages de suicide, il y avait eu des « je vais... » Ah oui, d'accord. Oui. Donc, du harcèlement aussi. Ouais. Et au moment, à l'instant T, vous y avez cru ? À sa menace ? Non, enfin... Vous étiez encore amoureuse, un peu ? Je peux pas dire à l'heure actuelle, parce que mon jugement est faussé. Ouais. Donc, je peux pas vraiment... J'avais beaucoup d'affection pour lui. Et je voulais pas l'abandonner. Mais pas au point de refaire ma vie avec. Je pouvais plus. Vous y avez cru ou vous n'y avez pas cru ? Qu'il allait se jeter sous le train ? Non. Ça, j'aurais jamais cru qu'il le ferait. Je pensais et j'espérais en même temps que ça allait s'arranger. Il vous appelait à quelle fréquence depuis 4 mois ? Les 2 premiers mois, c'était... je dis pas tous les jours, mais pas le moins, quoi. C'était au moins un message par jour. Il y a eu des mails, il y a eu... Et ensuite ? Ensuite, ça s'est un peu espacé. Espacé ? Parce qu'il est parti dans sa famille. Mais à chaque fois que je l'avais au téléphone, il était en pleurs, c'était pendant 2 heures, et puis toujours les mêmes discours. Il voulait pas entendre. Et même des disputes, parce qu'il voulait pas m'écouter, il voulait pas comprendre. À chaque fois, c'était pareil. Ça a été 4 mois où ça a été... Vous disiez c'est terminé, souvent les femmes sont assez tranchantes. Oui, il y a eu des fois où j'étais très dure. Des fois où j'essayais d'être un peu moins dure, d'essayer d'y aller... plus dans l'affection, en lui disant « mais je tiens encore à toi, mais pas assez pour qu'on construise quelque chose, et puis il faut que tu essayes d'aller mieux, et tout, ça n'allait pas. » Passer à autre chose, vous lui disiez ? Vous auriez été heureuse qu'il aille avec une autre femme ? Je voulais qu'il soit heureux, je lui disais « je veux que tu sois heureux, refais ta vie. » En fait, on s'est souvent couru après, quand c'était lui qui voulait, c'est moi qui voulais plus, et quand c'était moi qui voulais, c'est lui qui voulait Carmen. Plus. Carmen. Donc là, c'était moi qui pouvais plus, mais cette fois, il a vraiment compris que c'était vraiment fini, et ça, il a... Donc il était dans une station de train, dans une gare ? Je sais pas. Non, je pense qu'il était le long des voies ferrées. C'est un jour où il appelait plusieurs fois. Hein. Oui, on s'était eu l'après-midi au téléphone. Ça. Oui. Là, c'était vraiment... Il était beaucoup dans la répétition. Je vais me pendre, je vais... Je lui disais, mais pour ta famille, le fais pas. Enfin, il y a des gens qui t'aiment, on t'aime, mais on veut pas ça. Et il voulait pas l'entendre. Il voulait que je revienne à tout prix. Et si je revenais pas, il le ferait. Il parlait de se pendre, toujours ? Oui. J'y croyais pas, même la... Enfin, ce que je lui ai dit le soir au téléphone me fait comprendre que j'y croyais pas, parce qu'il m'a dit « je suis prêt, tu m'as fait louper mon train ». Une première fois, quand j'étais au téléphone, il m'a dit « tu m'as fait louper mon train ». Je lui ai dit « mais tu veux aller où ?» Très naïvement, j'ai pas du tout pensé à ça, et mais il m'a dit « mais je veux pas aller, je veux aller nulle part, je veux pas le prendre ». Il m'a fait comprendre qu'il allait se jeter dessous, et puis quand j'ai entendu le deuxième train klaxonner, et le téléphone a dû tomber, et plus rien. Là, je me suis dit, oups, mince, quoi, il l'a fait, quoi. Pourquoi il vous a appelé juste avant de se suicider, d'après vous ? Pour essayer... l'après-midi, c'était pour essayer de me faire revenir. Une énième fois. Pour essayer que je revienne, pour essayer que... C'était le... Je pense, son dernier appel, quoi. Vraiment, son dernier essai. Mais le dernier ? Le dernier appel, c'était juste un appel, c'était plus un appel pour vous faire venir. C'était pour me faire du mal. Pour me dire, t'as pas voulu revenir, ben tu vas souffrir. Enfin, je pense, en tout cas, c'est comme ça que je le prends. Je vous demandais d'accueillir maintenant Elsa Godard, qu'on entend régulièrement dans nos émissions. Ah, vous êtes philosophe et psy aussi, donc ça c'est je pense que c'est bien pour aborder le problème qu'on est en train de voir aujourd'hui, d'avoir ces deux approches des sentiments humains. Alors, il est vrai que vous parlez aujourd'hui de l'obsession. On aurait presque pu intituler l'émission Passion, passion amoureuse. Et ce qui est intéressant dans l'étymologie d'obsession, c'est qu'on y associe souvent le terme d'assiègement. La pensée comme assiégée par une idée fixe, quelque chose qui nous empêche d'agir, qui nous empêche d'être libre, quelque chose qu'on aura envie de rejeter hors de soi, comme Ivan l'évoquait très très bien, comme un exorcisme en fait, sortez hors de moi, que cette idée sorte hors de moi. Vous parliez également beaucoup de suicide.
L'obsession n'est pas toujours courante dans la passion amoureuse. Le suicide y est plus souvent associé dans la passion, comme l'en témoigne notamment la littérature. Quant à Emmanuelle, c'est vrai qu'elle a une situation extrêmement dramatique à vivre, qui doit renvoyer à un effort de culpabilité intense, puisque cette personne-là vous a fait, sous une certaine manière, un chantage affectif. Maintenant, vous parliez, il y a quelque chose qui m'a interpellée quand vous disiez « je n'ai pas pu le sauver ». Mais auriez-vous pu le sauver? Est-ce que ça vous incombait? On se suicide pour un mal-être, pour un sentiment de mélancolie, quelque chose qui renvoie à des difficultés existentielles, mais rarement pour quelqu'un ou pour quelque chose de présent. Ce n'est seulement que le déclencheur. Alors, il est évident que vous avez une lourde responsabilité, enfin, vous imaginez avoir une lourde responsabilité dans cette situation, mais vous n'en êtes certainement pas la cause. Vous en êtes l'effet malheureux, si j'ose dire. Mélanie nous a rejoint, elle était à côté de vous. Mélanie, vous n'avez pas l'air... comment vous réagissez à tout ce que vous avez entendu jusque-là? Vous allez nous raconter votre histoire? Vous êtes face à nos invités aujourd'hui. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, c'est vrai que bon, moi, c'est on va dire, un peu différent. Parce que bon, c'est vrai que j'ai rencontré un homme il y a 4 ans maintenant, où ça a été le coup de foudre. Grande passion. Grande... Oui, une grande, très grande passion. Parce que bon, suite au, déjà une première rupture, où je suis restée après 5 ans seule, donc, où j'ai fait une dépression hein, pendant 5 ans. Donc c'est vrai que quand j'ai rencontré cet homme, ça a été le coup de foudre. Et pour moi, je me suis dit, ça y est, j'ai enfin trouvé l'homme de ma vie. Et ben, malheureusement, au bout de 6 mois, c'est devenu un cauchemar. Hein. Très, très rapidement, parce que c'est quelqu'un qui malheureusement a eu aussi un passé très difficile. C'était un bandit. Et malheureusement, au bout de 6 mois, c'est devenu un cauchemar parce que bah, il picolait beaucoup. J'ai été battue pendant presque 4 ans. Et il vous l'aimiez encore? Oui. Vous l'aimiez encore à ce moment-là? Oui. Parce que bon... c'est quelqu'un que vous avez tellement, enfin, déjà que vous êtes une personne que vous aimez, vous avez envie d'aider, donc on vous prenait une gifle et puis bah, vous pardonnez. Et malheureusement, c'est la chose à pas faire. Hein. Bon, aujourd'hui, je le sais. Et après, vous rentrez dans un engrenage forcément qui, bah, la pas... peur. Hein. On n'en sort pas et après, ben, bah, il arrive un moment où. Vous avez le courage de partir. Oui, j'ai eu le courage de partir parce qu'entre temps, on a eu un enfant. Parce que vous y croyez, vous, quand vous avez un homme face à vous qui vous dit « Fais-moi un enfant, ça va changer ma vie, je ne boirai plus. » C'est violent, alcool, violence, pardon, alcool, voilà. Violence, pardon. Voilà, donc on y croit toujours. Mm-hmm. Et donc, oui, pourquoi pas. Donc, comment a-t-il accepté la rupture quand vous êtes partie? Ça a été très difficile parce qu'en fait, moi, j'ai pris la décision de partir quand je me suis retrouvée à terre, la tête en sang et mon gamin dans les bras de 14 mois qui hurlait. Donc là, mon fils m'a fait ouvrir les yeux et là, j'ai pris la porte et je me suis sauvée. Et parce que pour mon gamin, j'avais pas d'autre... pour lui hein, aussi, surtout. Donc j'ai pris mon enfant et je suis partie. Donc on s'est séparés suite à ça. Et donc il a vécu donc, dans un appartement pendant un an et demi. Et au bout d'un an, un an et demi, il a malheureusement commis l'irréparable. Il a tué mon enfant. Et il s'est tué après. Voilà. Donc, je savais qu'il aurait été capable de beaucoup de choses. Hein. J'aurais imaginé qu'il aurait emmené mon gamin partir et j'aurais plus jamais revu mon enfant. Mais malheureusement, voilà, il en a décidé autrement. J'aurais préféré qu'il me tue moi et laisser mon enfant en vie. Mon fils n'avait que 2 ans. Et voilà, donc, c'est dur, très dur. Sous l'effet de l'alcool? Non, 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 parce que c'est un assassinat. Il avait tout prévu, tout était prévu, il était organisé. Il m'avait laissé des courriers 2 mois auparavant dans ma boîte aux lettres où j'y comprenais vraiment rien. Aujourd'hui, j'ai tout compris. C'était incohérent ou c'était... Bah, c'était un peu du style « trompe la mort et tais-toi ». 3 petits tours et puis s'en vont. Trompe la mort et tais-toi. 3 petits tours et puis s'en vont. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il parlait de lui et mon enfant. Trompe la mort et puis tais-toi. 3 petits tours et puis s'en vont. Donc aujourd'hui, forcément, après coup, aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris trompe la mort, ses courriers. J'ai compris ses messages parce qu'il me disait pardonne-moi pour ce que je vais faire.
Et c'est vrai que, bon, comme il m'avait dit peu de temps avant que ça arrive, qu'il avait rencontré quelqu'un, qu'il allait partir vivre sur Montpellier, qu'il avait rencontré une femme, moi, je me suis dit, enfin, je vais pouvoir essayer de vivre tranquillement avec mon enfant. Jusque-là, vous étiez à distance, mais vous étiez quand même dans la peur? Ah oui, oui. Oui, oui. Je dirais même plus, hein, parce que j'étais menacée un jour sur deux, moi et ma famille. Hein. Donc, il me menaçait de me tuer, moi et ma famille. Donc, Vous lui confiez votre enfant régulièrement pour qu'il puisse voir son, bah oui, son fils. Ben oui, parce que... Non, attendez, voilà, franchement, oui. Vous culpabilisez pour des fausses raisons. Vous vous dites, j'aurais dû comprendre ces messages-là. Ma question, c'était pas dans le sens de vous culpabiliser du tout. Oui, hein. Oui, oui, oui. C'est normal qu'un père puisse voir son fils. Ben, bien sûr, tout à fait. Mais je n'ai jamais empêché qu'il voie son enfant. Mon fils avait autant besoin de son père que moi. Donc, de toute façon, il fallait que je lui laisse le petit régulièrement, quelques heures dans la semaine. Il s'est donné la mort après avoir assassiné, vous dites assassiné, votre fils? Oui, oui, parce que c'est un assassinat, oui. Il avait tout prémédité. Vous lui avez laissé un mot, une lettre? Oui, bien sûr. Qui disait quoi? Qui disait qu'il n'aurait pas accepté qu'un autre homme puisse éduquer son enfant. Vous avez eu des moments de bonheur avec lui, les six premiers mois, vous dites? Voilà, tout à fait. Vraiment, où vous avez partagé des choses, c'était... Oui, c'était très fort. C'était pas oui. simplement parce que vous sortiez de votre dépression, c'était vraiment une vraie belle histoire d'amour. Ah oui, c'était, voilà, c'était très fort. Pour moi, c'était l'homme de ma vie. Virginie, vous êtes harcelée depuis 18 mois, vous, par votre ex qui ne vous lâche pas. De voir jusqu'où ça peut aller, ces histoires-là. J'ai vraiment très peur. Pour vous-même? Non, quand j'entends toutes ces histoires, je me dis, mais jusqu'où ça peut aller? Ça rend très, très nerveux. Je me sens pas respectée. Votre espace? Voilà, dans mon espace de vie. Je peux rien reconstruire. J'ai plus confiance en moi, j'ai plus confiance dans les hommes. Et quand j'entends vos témoignages, je me dis, mais qui sont les hommes et de quoi sont-ils capables? Les hommes ou les hommes sans générique ou les hommes? Les hommes. Ouais. C'est vrai qu'on commence une relation, on ne connaît pas l'autre dans l'après-histoire. Donc on ne peut pas imaginer de quoi il peut être capable une fois que... L'après-histoire, les petits hommes des cavernes, tout ça. Un homme qui se suicide pour faire du mal, c'est ça? Un homme qui tue un enfant, alors ça c'est... Là on est dans la... Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme histoire d'hommes qui vous ont... Dans cette histoire-là... Tout m'affole. Alors... Il y a des femmes qui ont parlé aussi. Oui, mais j'ai pas l'impression que moi, il veuille me faire mal à moi. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui est en souffrance. Et qui ne pense qu'à lui. Et qui ne pense qu'à lui. En quoi c'est-à-dire qu'il il continue à vivre notre histoire, comme si j'étais encore dans son histoire. Qu'est-ce qu'il vous dit, par exemple? Il m'écrit, il m'envoie des textos, des mails. Et c'est toujours ma chérie, mon cœur, excuse-moi de ne pas être là pour ton anniversaire. Je vais partir en voyage, je vais aller là où nous étions allés, je vais revivre ce que nous vivons et ce que j'ai envie de vivre avec toi et quoi qu'il advienne de nous. Et... Ça frise la folie, hein. Au bout d'un an et demi? Au bout d'un an et demi. Ah, je comprends que ça vous fasse peur. Hein. C'est-à-dire que le premier mois, je pense qu'on est un peu flatté, parce qu'on se dit on a fini une histoire, l'autre nous rappelle. C'est vrai qu'on se dit, ah oui, c'est vrai, ouais. On était peut-être bien. Donc j'ai compté pour lui. On se prend un peu au jeu des premiers coups de fil. Quand il téléphone pour dire « Ah, c'était bien quand même, nous, oui, c'était pas mal. » Et puis, quand il rappelle encore le lendemain, en disant « Mais là, j'ai vraiment du mal. » Et je dis « Mais c'est pas à moi qu'il faut téléphoner. Moi, je suis le bourreau. Je t'ai quitté. Donc, je vais pas te consoler. Je t'ai fait mal, je vais pas te consoler. Appelle tes amis, ta famille, mais ne viens pas pleurer. » Vous le voyez? Vous êtes dans un même milieu? Alors, non, moi, j'ai déménagé à 300 km de là où nous étions. Et donc, il vient de temps en temps chez moi. Où? Dans ma rue. Donc, ça m'est arrivé il y a quelques mois de sortir pour aller travailler à 8h du matin et de le trouver sur le trottoir d'en face, sortant de sa voiture avec un sourire jusque-là. Ma chérie, attends, stop, tu n'approches pas. Mais je viens là, on va prendre un café. Non, tu n'approches pas. C'est le même sourire que vous connaissiez? C'est le même? Oui, oui, c'est l'homme que j'avais pu connaître quelques mois avant, qui vient me chercher, comme si... Vous avez porté plainte? J'ai fini par porter plainte au bout d'un an. Parce que c'est vrai que les appels étaient incessants toutes les semaines. Les mails, donc j'ai fini par changer de boîte mail.
Après, il m'a dit qu'il partait en voyage et qu'il refaisait nos voyages, donc un pèlerinage. Il a acheté les mêmes choses que nous avions achetées ensemble, il me les a envoyées. C'est là... Donc la première fois, c'est un paquet... Moi, je comprends, vous avez peur. Hein. C'est un paquet que je reçois, avec son écriture. Je me dis, bon, peut-être que ce sont des affaires à moi. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Un poncho, parce qu'on avait été au Mexique. Le même poncho? Oui. Oh là là. Une statuette, là, bon, là, voilà. Là. Donc là, vous reprenez le paquet, retour à l'envoyeur, avec un petit mot du genre, non. La seule chose que je lui demandais, c'était de récupérer une moto qu'il avait laissée chez moi. Et je lui dis, mais plutôt que de partir en voyage, prends une journée pour faire les 300 km et venir chercher ta moto. Et là, il me dit, on est en novembre, non, les conditions météo ne sont pas bonnes, je viendrai au printemps. Donc là, je me dis, bon, je vais attendre. Donc là, je ne réponds plus au téléphone. Je ne veux pas non plus changer mon numéro, parce que je me dis, quand le printemps viendra, ben moi, je vais être là pour pouvoir... attendre le coup de fil qui me dira « je viens chercher la moto ». Il vous aurait trouvé. Il vous aurait trouvé. Il m'a retrouvé. Non, mais il savait où j'étais. Et donc un matin, quand je suis sortie de chez moi, qu'il était en face, il voulait prendre un café avec moi, il avait besoin de me parler. Bon, je me suis dit bon... Mais il est venu au printemps comme prévu, Non, mais là on était un peu avant, c'est-à-dire qu'il y avait plein d'événements. Et on est allé dans un petit café, et là il m'a demandé en mariage. Alors là, moi j'ai éclaté de rire. Je me suis dit, non, mais... Comme tout le monde ici, c'est une réaction nerveuse, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Voilà, et je lui dis, mais... non, mais bon, alors, tu veux me parler de quoi? Non, mais ma vie est impossible sans toi, j'ai compris, maintenant, je veux t'épouser, avoir des enfants, qu'on vive ensemble. J'ai dit, non, mais attends... Et là, ces jours-ci, ces temps-ci? La dernière chose qu'il ait faite, c'était il y a 3 semaines. Il est revenu chez moi, il a laissé... il a sonné, il a laissé sur le seuil un livre... Et je l'avais connu un 13, et il a effeuillé un calendrier éphéméride avec que des 13 qu'il a mis comme ça dans les pages. Il m'a laissé sur mon seuil. Que des 13. Et là, je me dis, est-ce que maintenant c'est fini? Voilà, là, il a clôturé l'histoire, il va me laisser. Est-ce que Jonathan peut nous éclairer là-dessus? Est-ce que vous avez l'impression que votre copain, il pourrait partir sur une pente comme celle-ci? Je pense pas, mais... Parlez-nous de cette histoire. Vous l'avez connu, il était avec cette femme? Il était avec, ouais. Il était amoureux, vraiment très amoureux. Et je pense que Léa, je veux pas dire qu'elle jouait avec lui, parce que c'est pas le cas, ils sont restés 2 ans ensemble. Mais il y avait quelque chose qui me disait que c'était peut-être pas la femme qui était faite pour lui. Qu'est-ce qu'elle lui aurait voulu, cette Léa? Léa, des fois, elle l'appelait au boulot. Ah, Alexandre, je prends ta voiture. Alexandre, t'as pas de l'argent. Alexandre, si, Alexandre, ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais. Je lui ai dit, arrête. Faut qu'il arrête au bout d'un moment. Puisque elle l'appelait au boulot. Et il pouvait être en rendez-vous avec un client ou quoi que ce soit. Ah, mais ça, c'est l'amour, ça. Ah, c'est l'amour. Mais quand on est au boulot, on est au boulot. Hein. Elle est trop terrible. Non, mais vous disiez, elle est intéressée. Elle l'aime pas autant que lui l'aime. C'est ça que vous êtes en train de. J'ai l'impression, Jonathan, de dire. Ah non, c'est pas ça. Puisque lui, il était extrêmement amoureux. Ah non, ça oui, mais elle. Ah, mais. Elle est amoureuse, mais. Mais pas comme lui, c'était pas... Il y a un truc que vous sentiez pas, en tout cas. Ça s'appelle l'intuition masculine. En tout cas, j'espère que c'était pas une revanche par rapport au fait que vous ne voyiez plus votre copain depuis qu'elle était avec... Non. Regardez ce reportage. Donc, Alexandre, ça fait 1 an maintenant qu'il est séparé de cette jeune femme avec qui vous avez passé 2 ans au total. Ça illustre parfaitement le thème qui nous réunit ce soir, l'obsession amoureuse. Vous êtes séparés, bel et bien séparés. Et là, ça va pas non plus vous rassurer, mais je pense que ce serait bien que vous dialoguiez ensemble, parce que entre Alexandre et Léa, c'est comme s'ils vivaient encore ensemble dans la tête d'Alexandre. C'est ça, Alexandre? C'est ça. Sauf. Sauf? Sauf que, en fait, je reviens sur ce que... Avec moi, Léa, je la laisse vraiment, vraiment... J'ai pas du tout envie de tomber dans le harcèlement. C'est-à-dire, je ne l'appelle jamais. C'est toujours elle qui me bip et je la rappelle systématiquement. Mais je ne l'appelle jamais, je ne lui écris jamais. Je ne vais jamais la voir sans... Mais quoi, alors? Mais, dans votre tête? Dans ma tête, elle est là. Dans ma tête, elle est là. Il y a vous êtes avec souci. Elle. Mais j'ai pas du tout envie... De lui faire du mal. Voilà.
C'est Jonathan qui a répondu à l'appel à témoins. Pourquoi vous, vous êtes venu, à part le fait que vous aimez bien votre copain, etc. Ouais, il m'a beaucoup, effectivement, il m'a beaucoup, beaucoup poussé. Il m'a dit que ça pourrait me faire du bien de voir un petit peu, de prendre du recul par rapport à ma situation, parce que ben, c'est vrai que c'est quand même une situation qui est... Puis c'est vrai que le fait de faire le reportage, tout ça, on se rend compte que ouais, c'est ça va loin. Et il est peut-être temps de... Vous ne vous en rendez pas compte, il y a encore 15 jours, 3 semaines ? J'en prenais pas conscience à ce point-là. Le recul de la caméra, c'est... Ouais. Reportage de Karine Sastre et de Sébastien Giraudon qui sont venus à votre rencontre et qui ont eu bien du mal à vous faire couper votre portable pendant le tournage. Alors pourquoi ? En fait, je pense à Léa et j'imagine qu'elle est avec son copain. Je l'imagine en train de l'embrasser, en train de l'enlacer, en train de la caresser, ses mains sur sa peau. Et je pense qu'à ça, quoi. Maintenant, j'ai que ça dans la tête. La petite amie d'Alexandre l'a quitté pour un autre il y a un an. Depuis, il est obsédé par elle. Il est incapable d'accepter qu'elle ne soit plus à lui. C'est ces images-là qui me viennent. Lui sur elle, oh non, c'est vraiment des choses qui sont... Je peux réussir vraiment à dormir qu'une fois que je sais qu'ils ont fini de faire l'amour et que... qu'ils dorment. Mais tant que je sais qu'ils sont en train de s'envoyer en l'air, moi je peux pas. Qu'est-ce qui va pas? Je me pose souvent la question de savoir est-ce qu'il y a quelque chose, si je changeais, si je m'en coupais les cheveux, si je me faisais teindre en blond, si effectivement ça la ferait revenir, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon comportement, dans mes attitudes qu'elle aimait pas et que je pourrais changer. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, putain ? Alexandre refuse de se rendre à l'évidence. Il continue à espérer. Toute la journée, il attend ses coups de fil. Fausse alerte. Au bout du fil, ce n'est qu'un ami. Allô ? Ouais, ça va. Ouais, ça va, grand. Ça va. Oh non, cinéma, non, 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 pas cinéma. Pas cinéma. Bah, tu sais, le cinéma, je vais être obligé de couper le portable et si jamais Léa appelle, j'ai pas du tout envie de rater son appel, quoi. Et j'aime pas ne pas pouvoir être joignable et j'aime bien être tranquille si jamais Léa m'appelle. J'aime bien pouvoir savoir que je vais pouvoir décrocher, que ça va bien capter, que ce sera pas coupé parce que si je me déplace et que le réseau il bouge et tout, ça va couper, donc ça j'aime pas. À attendre le temps qu'il faudra, si c'est demain, si c'est dans 10 ans, si c'est dans 20 ans, si c'est... Moi, je dirais que pour le moment, c'est elle, donc ça me dérange pas d'attendre, quoi. Alexandre est persuadé qu'elle finira par revenir. Il part en quête d'un cadeau pour tenter de la reconquérir. Je cherche quelque chose d'original pour une charmante demoiselle. C'est pour la femme de ma vie, dont je suis encore très amoureux. Et j'ai besoin de quelque chose d'assez... D'assez élégant. D'assez élégant, d'assez classe. Hein, vous qui êtes une femme, si jamais demain je veux vous reconquérir, qu'est-ce qui vous ferait... Je pense que franchement, tout ce que j'ai, une paire de gants en cuir. C'est très classe. Je vais réfléchir, mais l'idée du gant... Rien à ses yeux n'est à la hauteur de l'enjeu. Quelle pierre conviendrait le mieux à quelqu'un qu'on essaye de reconquérir ? C'est-à-dire de reconquérir ? De reconquérir, pas de conquérir. C'est quelque chose qu'elle aura sur elle tout le temps, donc si ça peut vraiment être quelque chose qui lui tient à cœur, c'est que mieux. Je fais pas quelque chose d'un petit peu romantique, d'un petit peu... Vous avez les petites affiches qui se trouvent ici ? S'il vous plaît. C'est très original.
original. Et voilà, si vous mettez quelque chose de petit mot qui peut vraiment toucher, je pense que ça pourrait peut-être vous aider dans votre quête, si je peux dire ça comme ça. En fait, moi, ce qui me plaît surtout, c'est le fait que je puisse mettre le petit mot. Mais je mettrais sans doute quelque chose... à notre amour éternel ou quelque chose comme ça. Alexandre rejoint ses amis pour dîner. Même là, il n'arrive pas à déconnecter. Ce soir, ça capte ici? Ça capte pas ici. Ça capte pas ici. C'est pas là que ça capte pas, j'ai envie de ça capte pas ici. Là, on va manger tranquille. Non, franchement, arrête. On est avec toi, t'as pas besoin d'avoir ça. Mais si jamais elle m'appelle, qu'il y a besoin, que... Voilà, on laisse l'un et voilà, c'est bon. Tu vas faire une crise de nerfs là, parce que tu m'énerves. Toi, elle t'a oublié. Vous appelez, vous êtes amis, point. Elle veut plus rien savoir maintenant. Mais elle t'aime plus, c'est de l'amitié, Jérôme. Mais elle va revenir. Mais qu'est-ce qu'on sait qu'elle va revenir? Elle commence à construire sa vie là. Elle. Oui, mais. Mais bon, moi je l'aime, c'est comme ça. Comment c'est? Qu'est-ce que vous en pensez? Pardon, allez-y, on peut applaudir. Alexandre qui fait une démarche compliquée. Puis alors, quand on a un bon copain, parce que c'est chouette quand même d'avoir un copain comme ça qui fait ça pour vous. Vous êtes en couple? Je suis en couple. Ouais, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Ça vous dit quoi ce reportage? Ça vous inspire quoi? Comment vous réagissez? C'est comme je disais tout à l'heure, quoi. Alexandre, il n'arrive pas à l'oublier. Puis. Ça m'embête, puisque je le vois triste. Et c'est quelqu'un de très gentil. Et j'aimerais qu'il rencontre quelqu'un qui puisse le remettre un peu dans... On est heureux en vivant comme ça dans un rêve? Heureux, je sais pas. C'est... En fait, moi, je me remémore tous les beaux moments que j'ai passés avec elle. Et il y en a eu une multitude. Et quand je pense à ça, je me dis, ça va être tellement fort la prochaine fois que je vais la revoir, même si c'est juste un quart d'heure, même si c'est juste un coup de téléphone, même si c'est juste que ça vaut le coup de... C'est pas la revoir, un coup de téléphone. C'est l'entendre, c'est être avec elle, c'est partager un instant avec elle, c'est déjà important, quoi. C'est déjà beaucoup. Qu'est-ce que vous apportez de plus que toutes celles que vous avez connues avant? C'était ma princesse, c'était tout. C'était Léa. Elle avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Elle avait cette lumière au fond des yeux. Elle avait ses, dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre, dans sa façon d'exister. Il y avait de la grâce, il y avait de la... C'était magnifique. La vie avec elle, c'était quelque chose de... Qu'est-ce que vous partagez comme très beau moment ensemble? Tout, on allait faire les courses ensemble, c'était magnifique, c'était génial. C'était génial. La grâce. Mais on arrivait à transformer des moments effectivement basiques en moments... Mais vous étiez en spectateur avec elle, en train de regarder cette fée qui même de derrière un caddie avec des barils de cibles. C'était un peu ça. On faisait quelque chose d'extraordinaire. Et elle faisait, pourquoi pas, hein. Et on arrivait à faire des... je veux dire, on faisait les courses, c'était magnifique. Non mais là, c'était vous êtes magnifique. Incroyable, vous, quand même, hein. Mais c'est pas de l'amour, ça. Mais alors, quand vous alliez au restaurant, ça devait être alors génial, quoi. Mais non, c'est vrai que dans tous les magasins, quand on est allé dans un grand magasin de meubles acheter nos meubles au début... Non mais ça, c'est super, parce qu'on construit l'intérieur. C'était magnifique, et on y a été retourné pas un bal de fois, parce qu'à chaque fois, la table, ça allait pas, les chaises, ça allait pas, donc on y est retourné 50 fois dans la semaine. Et après, parce que partout où elle passait, elle mettait de la bonne humeur, de la joie, de la... Mais... Elle n'est pas la seule sur Terre à faire ça. Peut-être, mais c'était... voilà, quoi. Elle était là, c'était ouais, elle était là, vous l'aimiez, bon. Ah oui, c'était un... Vous l'aimez? Vous avez l'impression de l'aimer? Ouais. De la même façon? Plus? Moins? Ou de la même façon? Plus? Plus, peut-être. Enfin, là, le fait qu'elle est partie, c'est sûr que ça a été... ça a été terrible, parce que du jour au lendemain... Fait du jour au lendemain, mais quand elle m'a dit voilà, on va entre guillemets arrêter. Enfin, ça s'est pas passé comme ça. Puis comment ça s'est passé? Bah en fait,
je sentais qu'elle était de plus en plus distante. Hein, pendant un moment, on a travaillé ensemble, donc là, c'est vrai qu'on était vraiment au paroxysme, on était H24 ensemble, c'était la folie, là, c'était merveilleux. Là, je me réveillais le matin, je remerciais Dieu de tous ces moments, parce que je me dis, mais c'est bien, tout va non, bien. C'est fantastique, il faut profiter dans ces moments, c'est génial. Là, dans ces... Ça marche, ça ne hein? durera pas. Vous disiez ça ne durera pas? Non, je le savais au fond de moi, je me dis, quand il y a du bonheur, le bonheur, je sais que c'est quelque chose qui, quand on le touche, quand on l'a... C'est des instants de bonheur. Voilà, c'est des instants, je savais que c'était du bonheur, je savais que, au fond de moi, je me dis, c'est impossible, le bonheur, ça ne dure jamais, c'est... il n'y a que dans les films, mais le plus longtemps possible, hein, voilà. Non, mais ça peut durer, c'est pas la même intensité, voilà. etc. Et quand elle m'a dit... Garçon, vous ne trouvez pas si charmant? Comment il parle, si, ouais. Mais il a raison, puis on voit son sourire. Vous pensiez à votre histoire, à vous, en écoutant la sienne? Bien sûr. Ouais. Quand, même voilà, faire les projections. Moi, je vivais 24 heures sur 24 aussi, pendant 19 ans. On dit H24 maintenant, quand on est jeune. Excusez-moi, je suis pas... Je suis has-been. Non, vous êtes will be. D'accord, ça, je connais pas en plus. Will be, c'est le pareil, sauf que c'est au futur. D'accord. Non, mais c'est vrai que, voilà, quand j'étais avec elle, c'était... mais c'était du bonheur à l'état pur, quoi. Là, c'était vraiment... La séparation. Alors là, par contre, ça a été du malheur. Mais comment vous dites, ça s'est pas passé comme ça, ça s'est passé comment? Alors, en fait... Vous l'avez vu arriver? Non. Et honnêtement, elle m'a dit, j'ai envie d'aller vivre à Paris. Je fais, OK, pars à Paris, pas de problème. Vous habitez dans quelle région? En fait, on est de Nancy. Hein, on habitait à Nancy ensemble. Et elle m'a dit, écoute, la vie parisienne me tente bien, j'ai envie de partir sur Paris. Et moi, je dis, oui, OK, les loyers, tout ça, se loger. J'ai dit, OK, va trouver déjà un travail et puis des loyers, on en reparlera ensuite. Trois semaines après, t'es parti. Donc c'était... Et vous ne pouviez pas l'accompagner? Non, professionnellement, c'était compliqué. Mais H24 ensemble, vous travaillez ensemble à un moment? On a travaillé un moment ensemble. Mmh. Après, elle travaille toujours pour la même... On travaille pour la même compagnie, mais elle ne travaillait pas dans le même... L'assurance, donc. Hein. Toujours, voilà, dans l'assurance. Hein. Et donc après, elle travaillait dans une autre agence. Moi, dans mon agence que j'avais... À Nancy. Voilà, quand je l'ai connue. Hein, Et donc, elle a pris une autre agence. Et puis, elle m'a dit, oh, là, ça ne me plaît pas. J'ai envie de partir sur Paris. J'ai dit, OK. Et puis, bon, ça s'est fait très C'était le début de la fin? Ouais, c'était... Et elle m'a dit cette phrase, c'est pour dire qu'elle était pleine d'humour, elle tournait toutes les situations, elle m'a dit, c'est Jérôme, l'amour c'est comme les pneus de la voiture, ça s'use. Et... Non mais là effectivement tout est merveilleux dans vos yeux, parce que là la métaphore mécanique... Alors quand elle me disait ça... Quand elle le dit, c'est merveilleux. Quand elle le dit, elle... Tu sais... Alexandre, l'amour c'est comme les pneus, ça s'use. Je vous demande d'accueillir Alban qui va venir discuter avec Alexandre. Il est où? Avec là, Alban. Elle vous dirait, Alexandre, il est midi moins le quart. C'est génial. Non, en fait, elle avait une façon de tout ce qu'elle touchait, ça devenait... De la grâce. Vous avez des points communs avec Alexandre? Ouais. Mais pas... Pas quoi? Pas comme... Comme il décrit, lui. Quelles sont les différences? Quelles sont les ressemblances? La ressemblance était, oui, l'amour passionnel. Tout ça, machin. Ah, tout mais... ça, machin, vous allez un peu... avec des pneus, il vous refait Walt Disney. Non, mais je suis ça. Non, mais c'est ça, l'amour. Hein. Les petites choses qui sont merveilleuses tout le temps. Alors, les pneus, quand même, là, vous y allez fort. Hein. Non, mais elle est... Tout avec ça va, Jonathan, ça n'a pas l'air de vous faire rire, vous. C'est pas que ça me fait pas rire, mais bon... Les pneus, comme vous dites, les pneus, voilà, quoi. Non, mais qu'est-ce que vous vous dites quand elle parlait de l'amour? Elle me dit... Non, mais Alexandre nous dit, elle a eu cette phrase, elle a dit, tu sais, Alexandre, les pneus, c'est comme l'amour, ça s'use. L'amour, c'est comme les pneus. Pardon. Exact. Non, mais après, c'était ironique, donc... C'était ironique? Non. C'était pas du tout ironique. Elle disait ça, c'était... Mais pour elle, c'était pas une... Elle voulait pas... C'était pas du tout pour me blesser, c'était plus me dire une chose très dure, d'une façon très imagée, très rigolote, très drôle. Et c'est comme ça que je l'ai pris. D'accord. Je l'ai pas... C'était pas ironique. C'était dédramatisant. Voilà, métaphorique. C'était métaphorique. Et elle est...
Elle était assez... toujours comme ça. Elle est toujours comme ça. Alban, donc les points de ressemblance, c'est la folie, la passion, etc. etc. Et les points de qui où, là, vous n'êtes plus sur la même planète, ce sont lesquels? Bah elle, en fait, mon ex, elle me rabaissait. Elle me rabaissait au niveau de mes amis, au niveau de ma famille. Même devant mes amis, elle me rabaissait. Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle disait, par exemple? Par exemple, je me souviens bien, elle m'avait déjà dit « Ouais, tu sers à rien, tu vas rien faire de ta vie. » Et vous l'aimiez quand même? Ouais. Jusqu'au jour où... en fait, j'ai ouvert les yeux, je me suis dit... elle m'a trompé. Et moi, j'ai appris ça une semaine après. Et là, j'ai tenté de me suicider, quoi. Et donc, j'ai été retrouvé... j'ai avalé des médicaments. Ça faisait combien de temps que vous étiez avec elle? Un an et demi. Au bout de combien de temps elle a commencé, non pas à vous rabaisser, mais moi, je trouve, à vous humilier, hein? Ben, en fait, c'était à partir du moment où on a pris notre appart ensemble. On a acheté un appartement. Parce qu'au début, bon, c'était l'amour passionnel et tout. Et puis, bah, dès qu'on s'est mis ensemble, en couple et tout, dans une maison et tout, bah, ça allait plus, quoi. Pourquoi, à votre avis? Je pense que c'est le... La proximité? Ouais, la proximité, de vivre ensemble et tout. Donc c'est le fait d'acheter et donc de se projeter dans l'avenir, c'est ça que ça veut dire? Ouais, voilà. Quel âge oui. elle avait? 22 ans. Et vous-même? 20 ans, moi. Oui. 20 ans ou 19 ans. C'était sa première expérience en couple, installée dans un... Oui. Ensemble. Mmh. Et donc, vous avez appris qu'elle vous a trompé. Vous en avez parlé avec elle? Oui, j'en ai parlé à Manier, à l'Allier. Elle a nié? Elle a nié, ouais. Mais par le regard, on voit tout, quoi. Donc, je savais qu'elle mentait. Vous saviez avec qui? Oui. Quelqu'un de proche de vous? Non, pas du tout. Ouf. Un collègue de son travail. Et maintenant, elle est avec lui, donc... Vous avez tenté de vous suicider. Vous avez vu le reportage sur l'histoire d'Alexandre? Oui. Cette façon de vivre par procuration, en fait, la vie qu'il avait auparavant, ça vous inspire quoi? Parce qu'il est charmant, ce jeune homme. Oui. Est-ce que vous êtes charmant, vous aussi? Merci. Vous avez été pas loin d'y passer, hein? Et ce qu'a dit le médecin, j'étais à deux doigts d'y passer, quoi. Vous regrettez ce geste? Oui, je regrette, oui. Vous regrettez, mais... Oui. Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? Que j'aurais dû appeler ma famille ou quelqu'un de proche ou appeler ma mère ou mes sœurs et partir de chez moi et voilà quoi. De chez vous qui étiez encore chez vous deux? Oui, voilà, oui. Il y a peut-être une question qu'on pourrait se poser. Qui est-ce qu'on aime ou qu'est-ce qu'on cherche à ne pas oublier à travers les personnes qui restent présentes dans notre mémoire? Dans votre cas, Léa, qu'est-ce qu'elle pourrait symboliser? Pour moi, c'est le bonheur. Un petit peu comme dans le cas d'Yvonne. Votre passé, votre ex se rattache à ce bonheur. C'est Yvonne. C'est breton. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous supportez pas? Bah, je comprends pas Yvonne. Non, mais tout à non, vous appelez Yvonne, quoi, surtout. Yvonne, voilà. On est breton. Moi aussi, je suis breton. Ouais. Et bretonne, et têtu, et fier de l'être. Bien sûr. Allez, on va rater la parenthèse. Mais Jean-Luc, si je peux me permettre. Mais je vous en prie. Elle vous bipe au téléphone et vous devez la rappeler. Donc elle vous maintient dans une dépendance. Bah en fait... Elle joue avec vous. Non, c'est moi qui lui ai dit je ne t'appellerai pas parce que si je t'appelle, ça va devenir effectivement du harcèlement. Donc je dis pour éviter tout ça, c'est toi qui prends la situation en main. Quand tu as besoin, tu me bipes, je te rappelle. Mais je lui ai promis de ne jamais l'appeler justement pour pas tomber... Non mais moi je trouve ça infernal. Ce que j'entends m'affole. Là c'est une femme, c'est plus un homme, hein. J'ai dit quelque chose de mal? Non, mais autant moi, je suis harcelée et je ne bouge pas. Je me cache, je vis à l'abri, je ne fais rien et je suis harcelée. Mais elle, enfin vous deux, vous êtes dans un schéma où vous vous entretenez tous les deux, vous vous amusez tous les deux. Alors, en fait, le truc, c'est que pour elle, je suis devenue son meilleur ami. Non, elle a un jouet et elle en fait ce qu'elle en veut. Le jouet, il attend toute la soirée avec son portable, que ça sonne. Elle vous prive de votre vie. Non, attendez. Non,
Vous êtes devenu son esclave. Vous pouvez même pas passer une soirée avec vos amis. Vous êtes là à l'affût. Honnêtement, moi, non, très honnêtement, j'ai pas l'impression d'être son jouet. Non, mais quand on vous voit, vous êtes heureux de vivre ça. Mais je la garde parce que si mais une histoire d'amour, elle se vit à deux, elle se vit avec l'autre qui partage. Oui, mais j'ai pas envie de la perdre. Mais elle est pas avec vous. Elle est pas avec vous. Ouais, non. Mais... Là, vous êtes dans l'imaginaire, vous êtes dans le fantasme là. Toi, tu vas te détruire. Ouais, vous allez vous faire du mal. Hein. Elle ressemble à quoi votre vie sentimentale aujourd'hui? Ah. Venez vous mettre en face de là. On ne ressemble pas à grand-chose. Ah, c'est intéressant. Je crois que vous pouvez y aller aussi parce que vous avez des choses à dire, non? Oui. Je vous disais toutes les deux un peu la même chose, alors que Ivan comprenait plus le point de vue d'Alexandre. Non, je comprenais, mais là, c'est la façon, il la garde un petit peu avec elle. C'est pour ça qu'il... Comme vous gardez un petit peu avec vous, vous avez gardé un petit peu avec vous. Non, un petit peu. Il est dans votre tête, vous arrêtez pas de dire. Mais je trouve pas que c'est pareil. C'est-à-dire, vous avez raison, parce que vous voulez qu'il dégage. Alors que moi, lui, il reste là, lui. Ça, Alexandre, vous souhaitez qu'elle reste, Léa? Moi, je souhaite qu'elle reste. Toute la vie? Bah, toute la vie, ça va être compliqué, parce que maintenant, elle est repartie avec quelqu'un, donc à mon avis, c'est mort. Et puis là, elle m'a récemment demandé qu'on arrête, enfin... Qu'on arrête quoi? Elle m'a récemment dit qu'on allait arrêter de s'appeler, parce que... Mais vous appelez pas, vous, alors? Non, je dis ça, je l'appelle quand même de temps en temps. Je suis pas non plus tout le temps à attendre. Non, oui, ça vous rassure, madame, dans le public? Attendez, je vais vous donner un micro. Jonathan, si vous pouvez faire passer votre micro, vous l'avez? Cette dame en rose qui est dans l'assemblée. Je suis désolée, vous êtes trop jeune. Vous êtes madame? Faut pas, vous êtes un jouet pour lui, pour elle. Ouais, jouet. C'est de l'égoïsme, hein, c'est de la... Elle est perfide, hein, je suis désolée de vous dire ça, mais... C'est... Ouais, non, je n'irai pas jusque-là. Mais vous êtes jeune. Oui, ça c'est... Passez à autre chose, vous êtes en train de tout bousiller. Vous appelez comment, madame? Madame Maurice. Bonjour, madame Maurice. Madame Maurice, vous avez aimé profondément, passionnément? Oui, j'ai vécu d'autres choses. Non, mais toutes les vies sont différentes. Toutes les histoires sont singulières. Moi, j'étais en plein bonheur, mon mari s'est tué en voiture, alors donc c'est encore autre chose. Des enfants, enfin... Si ça vous fait du bien, mais je pense pas. Hein. On peut pas être bien en vivant au royaume des bisounours. Regardez l'extrait du reportage. Ça veut dire que c'est un peu ça, le royaume des bisounours, non? C'est le royaume des bisounours. Des bisounours, mais un monde imaginaire, je veux dire de. Ouais. Non. Mais vous êtes trop jeune. Non, peut-être. Non, si, oui, vous avez sans doute raison. Non, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Mais moi, très honnêtement, j'ai pas l'impression de vivre l'enfer, quoi. C'est vrai que quand je revois le reportage. Les bisounours, c'est pas l'enfer. Non, les bisounours, c'est pas l'enfer. Non, mais un monde un peu. Ouais. Non, mais c'est vrai que quand je vois le reportage, oui, effectivement, quand je vois le reportage, ça fait un peu flipper. On est prêt? Allô? Ouais, ça va, grand? Oh non, cinéma, non, pas cinéma. Pas cinéma. Bah, tu sais, cinéma, je vais être obligé de couper le portable et si jamais Léa appelle, j'ai pas du tout envie de rater son appel, quoi. J'aime pas ne pas pouvoir être joignable et j'aime bien être tranquille si jamais Léa m'appelle. J'aime bien pouvoir savoir que je vais pouvoir décrocher, que ça va bien capter, que ce sera pas coupé parce que si je me déplace et que le réseau il bouge et tout, ça va couper, donc ça j'aime pas. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est une victime consentante. Et alors que moi je suis venue pour crier ma colère d'être harcelée. Et là, vous vous complaisez dans cette situation parce qu'elle vous maintient. Et s'il est heureux, est-ce que chacun ne peut pas avoir sa méthode? Vous pensez que ça a forcément des effets pervers? Vous le trouvez heureux? Heureux, c'est peut-être un peu exagéré quand même. Heureux, quand non, effectivement, il y a une certaine souffrance de tout ça. Là, on est le fait que se remémorer son passé, on ne peut pas vivre dans le passé. Non, mais je suis d'accord. Mais moi, ça c'est un problème que j'ai, c'est que j'ai du mal à tourner les pages. Mais j'en suis conscient. Demain, vous la tournez. Faites-nous une promesse. C'est pas si facile de se dire, hop, je vais la prendre demain. Mais si elle est sortie, vous voyez autre chose. Entre parenthèses. Non, mais c'est vrai que c'est... Moi, je pense que vous avez mis votre vie entre parenthèses pour elle. En attendant un geste et tout.
Il faut se dire, s'il arrive pas à ce geste, vous faites quoi? Vous allez attendre comme ça des années sans vivre vraiment? Là maintenant. Oui, mais les années passent vite. Si il est venu ici, c'est pas par hasard, hein. N'est-ce pas? C'est déjà non, c'est pas page. Par hasard, ça c'est vrai. Non, là ce qui va à mon avis. Non, c'est entre nous, faut le trouver le studio. Hein. De quoi? Faut le trouver le studio en plus. Hein. On est venu en taxi, donc ça allait. Mais non, mais je dirais que ce qui va faire, je dirais mécaniquement changer les choses, parce que maintenant, de toute façon, la situation telle qu'elle était, comme vous avez vu dans le reportage, peut plus continuer, parce que maintenant, elle va se mettre en ménage avec son nouveau copain. Donc, je veux dire, ça va être, de toute façon, maintenant impossible, si je suis encore comme ça, de continuer à la voir, tout simplement. Elle me l'a bien fait comprendre à un nouvel an, elle m'a bien fait comprendre qu'elle, elle voulait pas, voulait plus que je sois comme ça. Mais pas aussi perverse que ça. Elle voulait. Non, non. Elle n'est pas du tout perverse. Non, elle n'est pas perverse. Elle a bien conscience. C'est pas la vie de Madame Maurice, je veux dire. Non, mais attendez, on n'est pas. Tout, c'est pas la pensée unique, on n'est pas moi, obligé de. Pour moi, princesse, c'est le romantisme et tout, mais vous dire que l'amour, c'est que les pneus, ça se passe. Je suis désolée. Non, pas, c'est en plus, c'est moi qui ai été lourd là. C'est pas romantique. Alors, attendez, parce qu'on est en train de se demander, est-ce qu'on peut sortir d'une situation comme celle-ci? Oui, bien sûr. Pourquoi vous êtes venu ici, vous apporter votre témoignage? Moi, je me suis posé beaucoup de questions. À me demander, puisque j'étais à 50% dans l'histoire, est-ce que ce n'est pas mon comportement qui induisait que l'autre me harcelait? Est-ce que moi, je n'étais pas effectivement une victime consentante? Il y a un moment où je me suis dit, peut-être que vous avez joué avec le feu, c'est le coup de la moto. Vous n'auriez pas pu faire en sorte que la moto, elle prenne ses petits trous arrière et qu'elle se déplace toute seule vers les... Enfin, je sais pas, il y a des moyens de la déplacer. Le faire venir à vous dans un endroit, alors que vous êtes parti à 300 km, je me suis dit, vous dire franchement, sinon j'en aurais pas parlé. Hein. Mais une fois que la moto a été... quand il est venu la rechercher, il a continué. C'est-à-dire qu'il est revenu un soir sonner pour c'était sa récupérer moto. Autre chose. Non, c'est ce que je vais vous dire, ça va pas vous faire plaisir. C'était sa moto. Vous avez déménagé à 300 km, vous êtes parti avec la moto? Oui. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait croire qu'il reviendrait, peut-être s'installer près, et que peut-être, si on était tout près, on pouvait reprendre une histoire. Et j'ai dit, OK, j'emmène la moto. Mais si tu ne viens pas, je te donne 15 jours pour venir t'installer. Si tu ne viens pas, tu récupères ta moto et d'accord, on tourne la d'accord, page. D'accord, d'accord. Vous en êtes aujourd'hui? Elle est où la sortie? Je me le demande, parce que je ne sais pas si lui a fini de me harceler. Donc aujourd'hui, j'en suis à me dire que ça fait plus d'un an. J'en suis presque à me dire qu'il y a maintenant un anniversaire. Ça fait un an qu'il a fait ça. Ça fait enfin, moi, des fois, je dis, mais je deviens folle. J'ai porté plainte. Donc l'enquête est en cours. Donc moi je ne sais pas et j'aimerais pouvoir. J'aimerais qu'ils me disent c'est bon maintenant j'ai tourné la page. J'aimerais qu'ils me le disent. Non mais je pense qu'en tout cas ce qui est sûr c'est que ce qu'il va entendre aujourd'hui s'il a la bonne idée Madame Maurice de regarder notre émission, c'est voir à quel point il vous fait du mal et quelqu'un qui vous aime ne veut pas vous faire du mal normalement. S'il vous voit à mon avis aujourd'hui, il y a des choses qui vont se passer et pas que lui. D'autres personnes qui harcèlent. Vous en êtes où aujourd'hui? Je l'aime encore. Vous l'aimez encore? Ah oui. Beaucoup plus, encore plus que quand on s'est quitté. Vous l'appelez toujours? Moins. Quand il vient sur mon lieu de travail, bon, j'ai tendance à... Quand il vient sur votre lieu de travail? Oui, je travaille dans un restaurant. Donc, donc il vient dans votre restaurant? Oui. Avec son copain. Et... Super sympa. Madame Maurice? Non, mais je pense son que... Son copain? Oui. Vient dans le restaurant où il travaille avec son nouveau copain? Oh, c'est... Je pense qu'il a raison. Vous pensez qu'il a raison? Je pense qu'il a raison. Attendez, Madame Maurice. Peut-être qu'on est des blaireaux, vous et moi, vous voyez? Surtout moi. Il a le droit de revivre sa vie maintenant. Devant vous? Oui. Mais enfin, je veux dire, c'est... C'est pour vous montrer qu'il faut tourner la page pour vous? Je pense qu'il faut être prêt pour tourner la page. Vous en pensez quoi, Christine? Je vous vois, vous êtes là, je veux savoir, vous la vivez l'émission en tout cas. Oui, évidemment, j'écoute tellement, ça m'agace, j'ai envie de vous dire, réagissez. Elle va m'agresser. Il y a un peu de perversion quand même chez votre copain, non? Votre ancien copain, pardon. Je pense qu'au début, il venait dans ce restaurant peut-être pour me narguer un peu, me dire, tu vois, j'ai refait ma vie. Oui, vous nargue. Je pense que maintenant, je crois qu'il est heureux avec son copain. Donc, Vous en êtes où aujourd'hui? J'ai pas eu trop le choix, en fait. Je suis tombée enceinte par la suite et faut vivre. Donc je vis. Vous êtes repartie dans le sens de la vie? Oui. Ouais. Bah, quand on sent la vie en nous, ça remet les pendules à l'heure, quoi. C'est à réfléchir, en tout cas, je ne sais pas, Léo, comment vous avez réagi, vous qui avez failli, je ne sais pas hein, jusqu'à quel point vous avez failli, on ne sait jamais jusqu'à quel point, ça se trouve, à un quart d'heure près. Vous avez perdu un petit garçon de 2 ans dans des conditions, j'ai jamais entendu ça. Oui. Vous en êtes malgré tout, il faut se battre, hein. Je me bats tous les jours pour lui,
J'avance pour lui parce que je me donne pas. Oui, tout à fait. Parce que je veux pas m'écrouler pour lui. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, mon fils me dit, moi, maman, je fais dodo, mais toi, vis. N'aie plus peur et vis. Donc, j'avance comme ça depuis le début. Pourquoi vous portez tout ces lunettes et tout ça? Pour autre chose. Pour vous protéger de... Voilà, quelque part, oui. D'accord, d'une histoire qui n'a rien à voir avec celle de ce soir. Vous avez refait votre vie depuis, comment dire? Alors, j'ai essayé de reconstruire quelque chose. Malheureusement, bon, il y a eu échec. J'ai quand même une petite fille. Ça remplace vous avez une petite fille, fille. Voilà. Ça remplace rien. Ça remplace pas mon fils, mais ça m'aide énormément. Oui, mais c'est un enfant. C'est pas simplement pour vous aider. C'est un enfant. Tout à fait, quoi. Ouais. Voilà, donc elle va avoir bientôt 2 ans et j'avance pour elle. Bonne chance, j'espère que vous allez faire des pas en avant aujourd'hui, surtout lui. Ivan, Alexandre, on a bien entendu. Marie, vous en êtes où aujourd'hui? Bah, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance d'être en vie. D'être en vie? Oui, parce que j'ai aussi fait plusieurs tentatives et parfois... la dernière, elle a été assez violente. Donc, c'est mon ex qui m'a sauvé la vie d'ailleurs. Il est arrivé au bon moment, il a appelé les ambulances. Autrement, je ne serais plus là, les médecins me l'ont dit aussi. Et puis, donc j'ai rencontré... C'était quand, cette dernière? C'était en février 2003. Ah oui, ça fait 6 ans presque. Mm-hmm. Et vous en êtes aujourd'hui? Alors, j'ai rencontré donc mon mari. On a deux... C'est pas mal le sourire, ça vous va bien aussi. Oui. Ouais. Et puis, je suis très contente d'avoir mes petites filles. Ça m'aide beaucoup. Mais malgré tout, le deuil, il n'est pas fait à 100%. Et qu'est-ce qu'il en pense, votre conjoint? Je le fais souffrir beaucoup. Vous l'aimez? Oui. Mais il sait très bien que j'ai pas fait le deuil. Et... Il en est où, votre ex? Il s'est marié. Il a des enfants? Non. Vous êtes mariée, vous-même? Oui. Vous voulez nous rejoindre, Christine, ou vous voulez conclure de là-haut? C'est comme vous le sortez. Venez nous rejoindre, c'est toujours un plaisir, ne serait-ce que pour la grâce du déplacement. Oui. Allez-y, essayez, vous voulez. Non, j'ai envie de faire conclure maintenant, Christine, mais en fait, c'est les 15 ans de Ça se discute cette année. Alors, à chaque émission, on fait venir des invités qui sont déjà venus plusieurs fois. Donc, si vous voulez bien, vous conclurez juste après, parce que je pense que ça vous donnera aussi des envies de dire des choses qui rejoignent ce que vous êtes, mais aussi ce que vous venez d'écrire. Alors, nous allons reprendre des nouvelles de nos invités. On va prendre des nouvelles d'abord de Michael. De qui on prend des nouvelles d'abord? De Carole, d'abord, d'accord. Alors, de Carole. Comment ça va faire? Première fois qu'on vous a rencontré sur le plateau, c'était en janvier 2004. À l'époque, en fait, ça faisait 7 ans, Carole, que vous viviez au rythme des dialyses. Vous attendiez une greffe de rein. C'est pas une vie agréable. Hein. Une greffe qui tardait à arriver, puisqu'on est plus ou moins prioritaire, vous savez combien c'est long. Regardez un résumé de vos précédents témoignages, je dis bien vos précédents au pluriel, dans notre émission, ça se discute. En 2004, Carole souffrait d'un lupus, une maladie auto-immune qui empêchait ses reins de fonctionner normalement. Elle attendait désespérément une greffe. Vous êtes en attente d'un rein depuis 7 ans? Ouais. En attendant, elle devait se rendre 3 fois par semaine à l'hôpital pour des dialyses. Un procédé qui permettait de nettoyer son sang à la place de ses reins qui fonctionnaient mal. Il faut savoir qu'une dialyse équivaut en termes d'effort à un marathon. Mais c'est ce que je dis aussi pour expliquer mes petits coups de pompe. À l'époque où nous l'avions rencontrée, sa petite sœur venait de lui proposer de lui donner un de ses reins. Carole avait refusé catégoriquement. Pourquoi t'as jamais voulu que je te donne mon rein? Quand tu donnes ton rein? Oui. Donc il y a 2 personnes qui sont opérées. Tu sais laquelle a le plus mal? Laquelle souffle le plus? C'est toi. Oui, je sais, tu m'avais déjà dit tout ça pour me dégoûter. Et si t'as des gamins et que ton gamin, il a un problème de rein, et que tu m'en as donné un, et tu peux pas lui donner ton mari? Eh ben, on attendra, il y aura quelqu'un d'autre, quelqu'un de la famille. Eh ben moi j'attends. 2 ans plus tard, Carole était revenue avec sa sœur sur le plateau de Ça se discute jour après jour. Elle avait changé d'avis. Elle a accepté, enfin, de recevoir mon rein. Donc je suis la plus heureuse. Malheureusement, à cause de ces traitements, Carole s'était avérée trop faible pour être greffée sans risquer sa vie. Je dois tester un nouveau médicament pour qu'on puisse enfin m'inciser sans trop de risques. Donc je veux bien être greffée, mais je veux pas non plus laisser ma peau sur le billard. –
Vous étiez déjà drôle avant, vous étiez déjà comme ça, ou c'était une énergie que vous avez créée pour pouvoir supporter tout ce que vous avez supporté? Alors, en fait, ce que je disais à ceux pour les rassurer en loge par rapport à leur passage... À nos invités d'aujourd'hui, ouais, c'est qu'après l'émission, ça... vous m'avez posé des questions que je m'étais en fait jamais vraiment posées, notamment sur si c'était de l'inconscience ou de réagir comme je réagissais, de ma façon de voir la vie, en fait, c'était de la protection. Mais ouais, je trouve ça... C'était de la protection, mais j'ai... Parfois, certains disent la politesse du désespoir, alors c'est... Moi, j'appelais ça de la protection. Pour... voilà. Moi, je me protégeais à ma manière, qui n'était certainement pas la bonne. Qu'est-ce qui s'est passé après ça, hein, de votre... Après cette première greffe? Ah, après, non, il n'y a pas eu de greffe. On est allés deux fois à l'hôpital, toutes les deux. Et les deux fois, ça n'a pas eu lieu. Pourquoi? Il y avait une incompatibilité. Incompatibilité. Vous avez un micro avec vous? Il n'y avait pas une incompatibilité entre nous. On est sœurs jumelles de tissu. Donc ça aurait été, mon rein aurait été impeccable. Mais à chaque fois, il y a eu, dans la nuit... Non, la deuxième fois, c'était la deuxième fois dans la nuit, tous ces résultats de sang chutaient dans la nuit. Et à 6h du matin, quand on devait descendre au bloc, c'était plus possible. La première fois? Et la première fois, ça a chuté 3 jours avant. Non, une semaine. Une semaine avant. C'est des allergies médicamenteuses, en fait, que je fais. Alors, est-ce que c'est somatisé ou pas? On ne saura pas. Ah, je suis en psychothérapie et maintenant, je fais même de l'acupuncture. Et puis, donc, il n'y a pas eu de troisième fois? Ça n'a pas été possible. Non. Mais elle a... Et il y a juste un an, mais à quelques jours près. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je me suis réveillée le 1er janvier 2008. J'ai passé le 31 toute seule chez moi. Je vais dire des choses pas bien, mais j'avais un pot de foie gras, un animateur à la télé qui tous les ans fait une soirée pour le 31. C'était lequel? C'était qui fait du spectacle maintenant des Women. Arthur, vous savez, c'est pas un gros mot. Je sais pas, on doit pas citer de marque. C'est un bon ami. Pas une marque. Ah non, c'est un garçon. C'est un garçon très professionnel et très sympathique. Et pourquoi vous avez voulu passer le premier de l'an toute seule? Bah parce que j'ai pété un... Au bout de deux fois où on y croit, surtout la dernière fois avec Peggy, ou au dernier moment, au moment de décembre au bloc, on vous dit... bah non. Ouais. Gros coup de... Et pour vous, Peggy, parce que c'est, encore une fois, je répète, celui, celle qui donne son rein, c'est pas un acte anodin. D'abord, il en reste plus qu'un ensuite, donc faut pas qu'il arrive de pépin. Mais surtout, c'est une douleur terrible. J'appréhendais pas la douleur. La douleur physique s'oublie, j'avais pas peur de ça. J'avais peur pour elle. Donc, peur de quoi? Il y avait tellement de risques sur cette opération que je pensais pas à moi. J'avais peur de la perdre, elle. Rejet d'organe? Ouais. Du rejet, mais pas que le rejet. L'opération était compliquée. Okay. Alors revenons à l'année dernière, au premier jour. Vous saviez qu'elle passait le réveillon toute seule? Je savais. Bah, si elle dit qu'elle savait. Si, bon, ouais, je m'en étais doutée, mais je pas. Je m'en doutais bien, mais enfin, elle n'avait pas voulu. C'est sa petite tête de mule, comme ça peut lui arriver, mais en même temps, on comprenait. Je crois que Carole avait surtout baissé les bras. Qu'elle, en 10 ans, il n'y avait pas eu de greffe possible. Carole s'était plus préparée à la mort qu'à vivre. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et puis, quelques jours après. 2 janvier, 3 janvier. Non, je voudrais juste expliquer, en fait. Mais je vous explique. 1er janvier 2008, je me réveille, je me dis, c'est bon, je me ferai jamais greffer. C'est bon, c'est mort, j'étais limite en dépression. Je pense que j'étais même dépressive. Et puis voilà, 10 jours après, on m'appelle, et rendez-vous à l'hôpital. Et là, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'aurais dit, défoncez-moi la tête, je veux pas stresser. On m'a opérée, j'étais sous anticoagulant, donc avec un risque énorme que je saigne. Les dialyses aujourd'hui. Que dalle. Plus de dialyse. À partir du moment, alors ça c'est le terme médical. La greffe a. On m'a mis le rein dans le ventre, on a raccordé, j'ai pissé. Excusez-moi, de joie, c'est. De joie. Non, parce non, que non, ça non, marchait. Ça a fonctionné quoi. Ça a fonctionné instantanément. Bon, c'est des mots qu'on utilise. J'ai pissé sur la table. D'opération directe, on a branché ça. Vous avez le sens du détail, vous, hein. Et c'est bien, c'est l'anecdote qui nous fait comprendre les situations. Voilà, mais c'est au début, la cohabitation était difficile parce que c'est difficile de vivre avec un corps étranger. Non, puis... c'est pas ça, ça n'a pas été ça. Non, alors je vais fermer ma bouche définitivement. Je prends ma retraite aujourd'hui. Voilà. Souvent, les gens, justement, terminent les phrases pour moi en me disant oui, c'est. Non, mais je... Allez. Enfin bref, ça n'a pas été. Non! Comme c'était pas le rein de Peggy, et du coup, a posteriori, je me dis, c'est mieux que ce soit, que ça ait été un donneur anonyme, puisqu'il a fait, on me l'a mis, et ça a été tout de suite... C'est pas ce côté-là, le rein, vous le savez quand même, hein.
Non, mais le greffon, vous le mettez là parce que comme ça, vous pouvez le sculpter. Les médecins peuvent tout de suite voir si vous fait mal et tout. Mon rein, enfin, mon Beckenbauer... Parce que les médecins ne peuvent pas vous passer la main dans le dos. Beckenbauer ? Il s'appelle Beckenbauer. Alors, pour les plus jeunes, surtout les femmes, ça vous dit quelque chose, Christine, Beckenbauer ? Non. C'est un footballeur. Un footballeur des années 70-80. Ouais. Voilà. Surnommé l'empereur de Kaiser. Voilà, The Kaiser. Et mon père avait tendance à ne pas se rappeler des noms. J'ai fait hors bref. Ah, mais non, mais là, faut être pas bref du tout, là, parce que si les gens finissent vos phrases, voilà, c'est peut-être un signe. Tiens, je me dis, voilà. Tu parles trop. Oui, ça, c'est une logorée. Il s'appelle Beckenbauer. Il va très bien depuis le début. Moi, je dis que c'est une Ferrari qui marche vachement bien. Et je me suis fait tatouer La vie est belle. Ah oui, c'est une langue que je connais tout à fait. C'est écrit en elfique. En quoi, hein? En elfique, la langue. D'accord, est-ce qu'il faut nous tourner le dos? Parce que qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est en kit. Oui, ça veut dire La vie est belle, ça? Ça veut dire La vie est belle. Je suis désolée pour certains qui sont là, mais moi j'ai fait tatouer La vie est belle. Voici maintenant l'histoire de Michael, dans Reprenons des nouvelles. Regardez son portage, bravo. Ouais. Au revoir. Bienvenue sur Terre. En 1996, nous avions reçu Michael. Après un accident vasculaire cérébral, elle souffrait d'aphasie, un grave trouble de la parole. Sur le plateau, elle avait du mal à trouver ses mots. Tout le monde peut... Maman... Michaël avait appris à vivre avec ses difficultés. Elle était même capable d'en rire. Par quel cheminement vous passez pour vous exprimer? Ah, eh ben, ma pensée est là, mais mon explication est à Tokyo. Non, au moment de l'accident, les médecins s'étaient montrés très pessimistes. Pour eux, Michael n'aurait plus jamais dû parler. C'était sans compter sur sa détermination. Maintenant, ma guérison, c'est la chose primordiale. Pour réapprendre à parler, elle était suivie par une orthophoniste. Tu commences par quoi, là? P. Somme. Donc les lèvres sont fermées et ça va exploser. Ouais. Donc ça fait... On commence les lèvres fermées. Voilà. Michael avait confiance en l'avenir. Sa seule angoisse concernait sa vie sentimentale. Moi, je fais attention que les garçons me regardent. Avant, j'avais des soupirants. Mais maintenant, qui veut de moi? J'étais content de vous croiser en coulisses tout à l'heure. Merci. Avec votre fils qui disait... Vous savez ce qu'il disait, votre fils? Vous savez ce qu'il disait, votre fils? Vous savez pas ce qu'il disait, votre fils? Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure, toi? Qu'est-ce que tu disais? Eh, hey, monsieur 4 ans, là. Que je... Non, qu'est-ce que tu disais? Tu disais quoi? Je veux voir... Papa. Mais arrêtez, faut pas répondre à sa place. Je veux voir... Papa. Eh ben, tu l'as trouvé, tu vois. Et ta maman, tu la trouves comment? Je crois que à l'époque, vous disiez que vous trouvez... Qu'est-ce que vous avez changé? Vous êtes magnifique, hein? Merci. Merci. Vous avez les yeux qui brillent et tout, vous avez l'air heureux. C'est quand même pas ce monsieur qui vous rend heureux. Ah, mais si. Oh là là, bah, c'est alors, mon écoute... prince charmant. Oh là là, bah, tout le monde l'aime ici. Alors, son fils, sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, alors, toutes ces années? 96, ça fait quoi, 96? Ça fait 96, 2006, 2006. Aïe, 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 ça fait 13, presque. Oui. Vous l'avez vu, l'émission? Après, je l'ai vu maintenant. Là. Ouais. À l'instant, c'est la première fois. C'est la première fois? Ça fait... Ça fait quoi? Ça fait quelque chose, ça fait drôle. Hein. C'est... Je ne l'ai pas connu comme ça. Quoi. Vous avez jamais vu l'extrait? Vous avez jamais... Non, non, jamais. Non. C'est... Que 8 ans. Hein. Que 8 ans? Ah oui. Ah oui. Vous avez vu, ce soir, parfois, ça fait que un an, et puis ça fait quand même des dégâts. Hein. Donc, oui. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur le chemin parcouru? Alors qu'on vous disait que vous ne pourriez plus jamais parler, etc. Ben, je me suis battue. J'ai eu de la volonté. Et de l'arne, de vivre. Et ça, c'est magique. C'est magique. Qu'est-ce qui est devenu? À quel moment vous avez dit, waouh, c'est reparti, là? Oh, depuis le début. C'était sous-jacent. Et à l'émission, j'ai dit, ben, allez, on part.
et je ne me suis pas arrêtée. Et j'ai foncé. Et Après l'émission ? Oui. Bah dis donc, ce soir, c'est notre fête, mais dans le bon sens du terme. Oui, c'est ce que je C'est chouette, ça. Et voilà. Si vous nous aviez mais épaté pendant toute l'émission par votre volonté, votre ne pas vous arrêter, etc. Puis on sentait que vous étiez une jeune femme qui se disait l'amour, c'est, bah, c'est voilà, pas pouvoir parler, pas, ça veut dire pas pouvoir vivre. Voilà. C'est faux, évidemment. Il y a plein de gens qui nous regardent et qui n'ont pas l'usage de la parole et qui aiment. Vous vous êtes rencontrés il y a combien de temps ? Il y a 8 ans. 8 ans ? Vous avez attendu 4 ans pour faire... 4 ans, comment il s'appelle ? Ouais, Dan. 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 Bah t'as qu'à tousser. 8 ans que vous vous êtes rencontrés, 4 ans que vous avez un bébé, Et c'est super, on avance. Et quelle est cette main gauche que incroyable, cet annulaire que vous avez là ? Eh bien, je me suis mariée avec le prince Germain. Oh là là, là, là. Mazel Tov. Oh, merci. Merci. Quels sont vos projets aujourd'hui ? Eh ben, j'écris un livre et à ce propos, je cherche un éditeur, voire un réalisateur pour mon film. Il faut y aller. Madame Bovary, ça a été un livre d'abord, hein, quand même. Hein. Mais maintenant, je fonce jusqu'à la mort. Et quoi de plus beau ? Quoi de plus beau ? Que de foncer ? Oui. Ah bah pour une fois que je rencontre quelqu'un qui est d'accord avec moi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Christine Orban conclut donc notre émission de ce soir avec son nouveau roman. Alors vous venez à chaque fois que vous sortez un roman dans notre émission, c'est vachement agréable, qui s'appelle « N'oublie pas d'être heureuse ». Qui vous a inspiré cette phrase ?« N'oublie pas d'être heureuse ». N'oublie pas... Ah, Madame Maurice, « N'oublie pas d'être heureuse ». C'est la fin du livre. La phrase m'est venue naturellement à la fin du livre puisque je raconte finalement ce passage de l'adolescence à l'âge adulte, ce moment où on doit choisir sa vie, où finalement, parfois, le train repasse pas deux fois. Il faut pas se tromper. Et parfois, il repasse. Hein. Il repasse aussi. Parfois, ouais. Mais bon, il faut quand même être vigilant. Et finalement, je me suis dit à se lancer tellement de défis, des études difficiles, moi, changer de pays. Vous avez fait quoi comme études ? J'ai fait des études de droit, je suis notaire, et vous voyez où ça m'a mené. Mais bon, je n'ai pas fait des études que j'aimais. C'est pas de votre faute, on vous en veut pas pour non, ça. Non, nobody's perfect. Vive le notaire. Mais finalement, je me suis dit à trop se lancer de défis parce que je n'étais pas très heureuse dans mes études. C'était difficile aussi de changer de ville, de confronter des gens nouveaux. On oublie peut-être le principal. Et je me suis dit, si j'appelais mon livre « N'oublie pas d'être heureuse », comme... presque, pas un conseil, mais enfin une constatation que je voulais partager avec mes lecteurs. Ouais. Alors aujourd'hui, on dirait grave, il faut que tu kiffes. Ah bon ? Qu'est-ce que vous avez... Non, je vous en... Qu'est-ce que vous voulez dire à nos invités ce soir ? Est-ce que vous avez l'impression, comme certains, comme Madame Maurice par exemple, que certains ne passent à côté de leur bonheur, comme l'alchimiste, s'enferment dans des histoires, comme Alexandre, comme Ivan ? Surtout quand l'imagination prend le pas. Il y a des imaginations fortes et parfois destructrices. J'ai l'impression que, comme je disais au début de l'émission, que certains se harcèlent eux-mêmes. J'aimerais bien, en tout cas, porter une solution. Je suis invitée là, alors je un me message. Dis... Non, c'est un message que vous portez. Est-ce qu'il y aurait une solution pour sortir de l'obsession amoureuse ? Malheureusement, bon, là... Si vous n'arrivez pas, si vous ne trouvez pas, on a Madame Maurice. Hein, vous arrivez, il y a Madame Maurice, mais c'est vrai que c'est difficile. Alors, je me dis, il y a soit la solution de la sainteté, être comme sœur Emmanuelle, et finalement se dire, eh bien, il part, il en aime une autre, et puis, tant mieux. C'est difficile. Tout à fait, moi. Bon, voilà, beaucoup de sagesse. Et puis, il y a une autre solution, je me suis dit, finalement, peut-être se préférer. Alors, c'est aussi difficile, se préférer. Je pensais à Paul Valéry qui disait, je me suis aimée. Je me suis détestée, puis nous avons fini par vieillir ensemble. Donc peut-être bien s'aimer suffisamment pour ne pas s'imposer
ces espèces de dépendance, d'obsessions dans lesquelles certains de vous s'enferment. Et il n'y a pas de solution à ça. Ça peut durer tellement longtemps. Il y a une phrase qui m'a marquée. Je devais avoir 8 ans. Et j'ai entendu une femme dire, elle était déjà très âgée, si j'avais su, j'aurais été heureuse. Et je me suis dit qu'il ne faut jamais arriver à la fin de sa vie et se dire une chose comme ça. Donc quand même, faites attention, le temps passe. Et si vous êtes enfermé dans une obsession, alors évidemment, c'est facile à dire. Mais il faut vivre un peu pour soi aussi. Non, pardonnez-moi, je ne vais pas faire l'apologie de l'égoïsme, mais c'est un peu de volonté, ça quand même. Je ne sais pas. Puis bon, il y a du temps. Puis, je pense qu'une émission comme ce soir est extrêmement utile parce que finalement, la lecture est utile. Alors ça, si je peux conseiller une chose, parce que tout ce que vous avez vécu, vous croyez unique, vous êtes extrêmement banal, pardon, mais c'est depuis la nuit des temps, ces histoires existent, tristement. Chaque histoire est singulière, mais c'est vrai que ce sont des sentiments qui sont partagés par tous. Mais là, vous avez un peu partagé des histoires et vous vous rendez compte... Peut-être parce qu'on juge les autres mieux que soi-même et qu'on a parfois une distance, une objectivité plus grande. Ça peut vous aider à sortir parfois de l'enfer. Je ne minimise Alexandre. Pas les souffrances dans lesquelles vous êtes enfermé. C'est vrai que oui, là, c'est là-dessus. Pardon. Là-dessus, je pense qu'on peut que être d'accord. Et c'est vrai que je pense qu'une émission comme ça, déjà là, je prends conscience de pas mal de trucs. De quoi ? Bah, je me dis qu'effectivement, et Jonathan, quand il me dit qu'il faut que je tourne la page, tout ça, ouais, c'est vrai qu'il a raison. Son cadeau de Noël, ce qui m'a fait un beau cadeau de Noël, c'est je pense que je vais l'utiliser. Qu'est-ce que c'est ? Vous l'avez inscrit sur un site de rencontre. Ouais. Mais je crois que Jonathan sera canonisé. Ce ne sera pas vous, sur Emmanuel. Ce sera lui, l'abbé Pierre. Non, mais je pensais pas le... Et effectivement, je me dis, allez, je vais peut-être quand même, effectivement... Ivan. Ivan. Je dis, ça sert à rien. Ça va peut-être te servir. Mais moi, ça fait 3 ans que je suis inscrite sur le site, que je rencontre plein de gens, et ça ne sert à rien. Mais non, mais il faut peut-être aussi, comme disait Christine à l'instant, se mettre aussi dans un état. Enfin, moi, j'appelle ça se mettre dans un état... Avant ouais, de non, une émission, mais par moi, exemple, je harcèle pas mon ex, je vais pas le voir, je l'embête pas, je le laisse vivre, je sais qu'il est amoureux, qu'il est avec quelqu'un d'autre, ça me regarde plus, sa vie ne me regarde plus. Mais qui vous moi, a parlé de votre mec? Qui vous a parlé enlever, de votre mec ma passion pour lui, quoi, de passer à quelqu'un d'autre. J'essaye. Ou de passer comme Paul Valéry à vous-même, déjà, enfin, à vous accepter vous-même. Vous avez jamais connu, vous avez une enfance difficile, vous avez jamais connu la vie seule et heureuse. Comment ça se passe avec vos deux filles de 16 et 19 ans? Une fille et un garçon. Une fille et un garçon. Ça se passe bien, malgré, enfin, hyper bien, super bien. Mais pour eux, c'est dur aussi. Pour ma fille qui a 16 ans, c'est hyper dur. Si je me bats, là, c'est aussi pour elle. Redites-nous la phrase que vous avez entendue quand vous aviez 8 ans. Si j'avais su, j'aurais été heureuse. Moi, si je veux m'en sortir, c'est plus d'ailleurs pour elle que pour moi. Si j'avais su, j'aurais été heureuse. Ce serait bien que vous, que vous avez la chance de pouvoir vous... Non. Elle avait quel âge, cette dame? Elle devait avoir près de 80 ans. C'est-à-dire à peu près le double de votre... Un peu plus du double de votre âge, d'accord? Donc, c'est je le sais, Dans 43 ans, je vais être heureuse, quoi. Super. Franchement, c'est super. C'est pas du tout ça. Alors là, franchement, là, Ivan, vous faites la mauvaise tête, Ivan. Ouais, c'est mon caractère, ça. C'est votre caractère. C'est vous. Chacun peut essayer de faire un petit effort, tantôt. Ouais. On va rester là-dessus. Si j'avais su, j'aurais été heureuse. Merci d'avoir été avec nous. J'ai passé une bonne soirée, en tout cas. J'espère que ça se passera bien pour vous, Ivan. Je ne veux pas le savoir maintenant. Je vous donne le recul. Merci d'avoir partagé vos histoires. Poser une question. Alors là, non, c'est... pas poser une question, mais dire quelque chose. C'est parce que le journal du soir, ça va être Télématin. Mais c'est pas grave. Allez-y. Non, mais c'est que la personne de sa vie, en fait, on sait qu'à la fin de sa vie, quoi. Ah, dis donc, là, ça va haut ce soir. Là. Ah bon, vous pensez? Ouais. Moi, ah je oui, pense, hein. oui, je vois ce que vous voulez dire. Quand des gens très très jeunes disent c'est l'amour de ma vie, oui, voilà, c'est. Ouais. Voilà, ouais, bien, on le sait, on qui vivra, verra. Que, bien sûr, c'est le temps que ça arrive au premier étage. Merci beaucoup, bravo. Alors, on se retrouve le 4 février, si vous voulez bien.
4 février, c'est bien ça, non? Tu vois, c'est une bonne date. 4 février pour une émission particulière sur France 2 qui nous tient très à cœur, tout France Télévisions, qu'on a préparé avec la chaîne, avec d'autres producteurs sur le changement climatique. Merci, passez une très bonne soirée sur France 2. Bonsoir. Pour une prochaine émission, nous recherchons des témoignages. Maltraité par votre mère, vous avez fini par la dénoncer. Votre femme maltraitait vos enfants, vous avez choisi de la dénoncer. Vous culpabilisez d'avoir laissé votre femme maltraiter vos enfants pendant des années. Vous avez dénoncé votre mère qui battait vos frères et sœurs. Contactez-nous au 01 53 84 30 55 ou par email